bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau 3C de Canard PC, votre mardinal. Tous les mardis, c'est logique, il est 8h31. Bonjour à tous les matinaux et aux non-matinaux qui sont quand même là ce matin. J'ai vu dans le chat Luffy ici, j'ai vu Mormogil29, Snicked, Oli, notre modérateur incroyable. J'ai vu Captain Arty, qui est mon frère bruxellois. Je salue la Belgique. Gab de Lyoncourt, Fratus, The Uploader, Gab de Lyoncourt, Kassem Pack, Super Meatball. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je suis très content ce matin, car je suis avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vais vous le présenter maintenant. C'est Nico Pratt qui est avec moi. Bonjour Nico, qui est tout pixelisé. Hello. Alors des fois, vous allez voir un Nico Pratt pixelisé, des fois moins pixelisé. Là, il est pixelisé, là, Nico. Là, je suis pixelisé à mort, mais c'est ma tête au quotidien. Je suis comme Robin Williams dans ce film de Woody Allen, dans lequel il est flou. Il est flou toute sa vie. Bah voilà, moi, mon lot à porter, c'est que je suis pixelisé. Comment vas-tu, Nico? Bah ça va super, et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Le mardi, c'est compliqué niveau fatigue. Mais dès que la matinale commence, je commence à me réveiller, être plus en forme. Et tu vois, là, dès que je t'ai annoncé, déjà, ça va beaucoup mieux. Ah, donc, c'est gentil. Je suis très content de te recevoir, Nico. Pourquoi t'es pixelisé? C'est parce que tu es en Bretagne. Là, je suis en Bretagne. Je suis dans ma maison en Bretagne. Et c'est pas dans la connexion Internet que j'ai le plus investi. Disons, c'est une ruine qu'on a retapée avec ma femme, donc qui nous a englouti un paquet de fric. Et au moment de s'abonner à Internet, on n'avait plus rien, donc on a vraiment pris sommaire, quoi. Donc c'est pas la fibre, quoi. Ah non, je te confirme que c'est pas la fibre. Mais ça va, tu m'entends, je suis un peu pixelisé, mais je bouge, je frise pas et tu m'entends. Déjà là, t'es moins pixelisé que tout à l'heure. Tu vois, mais non, vraiment, c'est à cause de la fatigue. Tu vois, exactement. Un très beau tableau nickel. À ta gauche, qu'est-ce que c'est comme tableau? Qu'est-ce que c'est comme tableau? Je sais pas, c'est signé Yvon Labarre. Je sais pas ce que... Alors si, ça représente des petites maisons, c'est sans doute en Bretagne. Je sais pas exactement qui est Yvon Labarre, mais on a récupéré quelques tableaux. Attention, anecdote passionnante. On a récupéré quelques tableaux de chez ma grand-mère et... À un moment, on est tombé sur un tableau et on a vite fait regarder sur Internet et apparemment, apparemment, ce Yvon Labarre est plus ou moins coté. Mais après, j'y connais rien, donc est-ce qu'il est suffisamment coté pour que ça vaille le coup éventuellement de le faire estimer et tout, ou est-ce que il est pas très coté, ça vaut plus le coup d'attendre? Pour l'instant, en tout cas, c'est au mur. Écoute, mais si je dois changer de connexion Internet, il faudra peut-être que je vende le tableau. Écoutez, s'il y a des spécialistes en tableau, dites-moi si Yvon Labarre est bien coté. Ce serait hautement improbable. Je regarde un peu le chat. Franchement, si à cette heure-là, dans la matinale de Canard PC, il y a un spécialiste de Yvon Labarre qui se manifeste, je dis bravo la vie. Hein. Bah oui, quelqu'un qui dit c'est le pseudo d'artiste caché d'Yvan. Yvan, évidemment, oui. Godet, patron de Canard PC. Ouais, c'est peut-être. Je suis sûr qu'Yvan, il peint des tableaux le week-end. Ah, ça m'étonnerait pas d'Yvan. Ah ouais, ça se tient. On parlait juste avant de lancer l'émission qu'il ne faut absolument pas manger pendant une émission. Parce qu'après, t'as la bouche pâteuse. Mais tu m'as dit ça comme si c'était déjà arrivé. T'as déjà fait ça pendant une émission radio? Ouais, j'ai déjà fait ça. Il y a toujours un moment... Il y a forcément un moment... Alors, les émissions d'une heure trente, à la rigueur, ça va. Mais c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'avais une émission qui était de 18h à 19h30. Mm. Et pour peu que la journée soit un peu speed, t'as pas forcément le temps de déjeuner. Et j'ai plus d'une fois eu la tentation du petit snack, du petit sneakers de la machine juste avant l'antenne. Et c'est la pire idée possible. Déjà parce que si c'est un petit snack sucré, quand le micro s'allume, tu as la bouche pâteuse et vraiment, t'as du chocolat liquide qui glisse entre tes dents. T'es incapable de parler et surtout,
tu es obligé d'avaler ta salive, donc vraiment, tu fais un speech monstrueusement nul. Et surtout, surtout, j'ai un souvenir, c'était l'un de mes premiers directs à la radio, on va dire un petit peu en freestyle, en tout cas, c'était mon premier festival à la radio, c'était les Vieilles Charrues, alors ça devait être il y a 10 ans, voire plus, et on avait 4 heures ou 5 heures d'antenne. Et je travaillais avec Francis Vielle, donc animateur radio, on co-animait ensemble. Et j'ai souvenir, donc, juste avant d'entamer le direct, donc il devait être 18h, moi de m'être dit, je vais pas me goinfrer, on a quand même 5 heures à faire. Si c'est pour que je me goinfre et que dans une heure, j'ai envie de faire la sieste, je vais jamais y arriver. Et là, je vois Francis Vielle arriver avec deux énormes, tu vois, des grosses tartines de gros pain avec deux énormes tranches de chèvre chaud fondant dessus. Enfin, le truc ultra gras, et il en a deux, et vraiment, on est à un quart d'heure de l'antenne, et il engloutit les deux trucs, et je le regarde fasciné, comment vas-tu faire? Et il avait beaucoup plus confiance en son corps que moi, parce que alors, il a fait les 4h30 sans aucun problème, mais non, faut pas manger avant, et faut surtout pas manger pendant. Et éviter aussi, alors ça m'est arrivé et je continue à le faire quand même, je ne sais pas pourquoi, mais éviter les boissons gazeuses aussi avant. Ah, alors, je suis à fond, je suis en train de boire un Red Bull. Ah. Et en effet, alors la boisson gazeuse, le danger, c'est évidemment le rototo. Ça m'est arrivé. Après, alors là en vidéo, vous voyez, c'est, à la radio, le rototo, voilà. Avant que vraiment tu ne saches pas te contrôler ou que tu sois un gros dégueulasse. Mais là, en effet, vous verrez peut-être un tout petit rototo. Mais je regardais, même Edouard Philippe, lors d'une de ses conférences pour nous annoncer des bonnes nouvelles, même lui, je l'ai vu étouffer un petit rototo. Donc, bon, si le grand Edouard Philippe se fait une canette de coca avant de nous annoncer un confinement, t'as le droit de boire ta petite canette dans ta matinale. Il y a Mitre Errant qui dit éviter aussi les œufs durs. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce que je mange pas. Globalement, éviter les œufs durs, je pense. Est-ce que c'est un précepte de vie pour toute la vie? Peut-être. Peut-être qu'il ou elle, d'ailleurs, vient d'apprendre un truc sur les œufs durs et que c'est un message d'alerte. Tu sais, c'est le tout premier message d'alerte. Et dans un an, il y aura une nouvelle pandémie. Tout partira des œufs durs. Ah putain! J'aurais peut-être dû lire les actus ce matin, il y a peut-être un truc qu'on a appris sur les œufs durs ce matin. Bah, merci de nous avoir avertis, Mitrevant, en tout cas. Il y a Technix qui dit, sinon, une galerie de Berlin vend une peinture d'Yvon Labarre pour 6 euros. Ouais, alors, j'avais estimé ça à un chouïa plus, et je t'avoue que, ouais, bon, bah, dans ce cas, peut-être qu'il vaut rien. Mais c'est sympa d'avoir fait la recherche, Technix. Ils vont rien, déjà. Pardon, ils vont rien, ouais, ils vont rien. Non, cela dit, oui, ça remonte en odeur dans l'estomac, pour revenir sur les œufs durs. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bonjour, mais c'est Click ici, Baïm Loudachour, désolé, on a déjà dû la faire. Ah bah non, c'est la première fois. Ah non, si, on me l'a déjà fait une fois. Mais non, vous n'êtes pas dans Click, vous êtes dans la matinale de Canard PC. Pourquoi? Parce que tu ressembles à Loudachour? Je sais pas, je crois qu'on me l'a déjà dit. Ouais, c'est ça ton sosie, c'est ça ton sosie qu'on te sent souvent. Et toi, apparemment, c'est ta rhyme. Alors, moi, alors, ta rhyme, c'est bien c'est la première fois. C'est Raton Lameur qui vient de me mettre dans le chat. Ouais, je vois ça. Alors, merci beaucoup, parce que c'est super flatteur. Non, moi, mes deux sosies qu'on me sort le plus souvent, il y en a un que je trouve plutôt flatteur, c'est Adam Driver. Donc on va pas se mentir, et je l'ai déjà eu en face de moi, et même moi je suis d'accord, il y a un air. Et mais celui qu'on me sort le plus souvent, et très sincèrement j'arrive pas à voir la ressemblance, c'est Manu Lévy, l'animateur radio. Oui, je vois, ouais. Alors je l'ai déjà eu en face de moi, personnellement je vois pas la ressemblance, mais voilà, mais bon, écoute, c'est vraiment Manu Lévy qu'on me sort le plus souvent. Ah ouais, Adam River, je vois. Keanu Reeves, ah, on me dit Keanu Reeves parasé. Merci pour Keanu Reeves aussi. Bah, franchement, je prends tout ça. Ah, j'ai, ouais. pas la moitié de leur classe, mais enfin, j'ai si. C'est gentil. Si, je vois, mais tu enlèves les lunettes. C'est vrai que ça. Je peux les enlever.
chose que je fais très rarement. Ouais, il y a un air qui... Je vois... Ah ouais, c'est vraiment un mélange de Keanu Reeves et d'Adam Driver. Je vois vraiment... En vrai, je vois carrément ce qu'ils veulent dire. Du coup, t'as déjà vu en vrai, en face de toi, Adam Driver. Avant de parler du conducteur, j'ai envie que tu me racontes cette anecdote. Ah bah écoute, en plus, alors c'était au Festival de Cannes, l'avant-dernier Festival de Cannes, donc il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, Terry Gilliam venait présenter un film extrêmement attendu qui était L'homme qui tua Don Quichotte, film très très attendu parce que c'était son projet rêvé depuis 25 ans, il y avait un premier tournage qui avait été avorté avec Johnny Depp et Jean Rochefort, et même... Le film arrive à Cannes, le film est prêt, il y a de nouveau des galères avec le producteur qui veut empêcher sa diffusion. Enfin bref, c'est vraiment... Le film existe, Terry Gilliam est là pour le présenter avec son acteur principal Adam Driver, donc c'est un petit événement. Et moi, je travaillais pour une émission cinéma pour OCS, et j'ai une interview calée avec Adam Driver et avec Terry Gilliam. Et en fait, pour bien comprendre, donc c'est dans un hôtel à Cannes, et en fait, c'est sur une espèce de grande terrasse, et en fait, ce sont deux grandes terrasses qui se font face, donc qui se voient au loin, reliés par un espèce de petit couloir. Et Terry Gilliam est dans l'une, et Adam Driver est dans l'autre. Et en fait, donc je commence l'interview avec Adam Driver. Le seul brief qu'on me donne, c'est pas de questions sur Star Wars, parce qu'en gros, on était après le Réveil de la Force, et le suivant allait sortir, dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé pour Star Wars. Bref, j'ai un trou de mémoire, c'est parce qu'il est tout, parce que c'est le film de Rian Johnson et je l'aime assez. Bref. Et donc, du coup, l'interview se passe plutôt bien, alors qu'on le dit plutôt bougon, mais c'était très chouette, c'était vraiment chouette. Et juste après, donc, je prends le petit couloir et je vais interviewer Terry Gilliam. Alors, Terry Gilliam qui est trop content d'être là, on se fait, à un moment, je lui dis, on est super heureux de vous voir, il se lève, il me fait un câlin, enfin, vraiment, mec, adorable. Mais le meilleur moment de tout ça, c'est quand je pars après mon interview de Terry Gilliam. Et en fait, je me rends compte qu'Adam Driver attendait la fin de mon interview. Il avait pris le petit couloir. Et en fait, il n'avait pas vu Terry Gilliam depuis plusieurs mois. Et il se tombe dans les bras. Ils sont trop heureux de se retrouver. Moi, je suis genre en face d'eux en train de me dire « Mais putain, c'est ouf, qu'est-ce que je fous là ?» Jette quand même un petit coup d'œil. Il y a mon caméraman qui est en train d'immortaliser l'instant pour l'émission, donc je me dis bon bah cool, en plus j'ai des images que personne d'autre n'a, et le film est vraiment bien, et non, c'était un très beau moment, et j'ai pas vécu que des beaux moments à Cannes, mais celui-là on faisait partie. Waouh, et ben, ah bah ok, alors attends, tu sais quoi, je vais noter dans mon conducteur, Nico Pratt n'a pas eu que des bons moments à Cannes, comme ça je vais pas oublier, et comme ça je vais m'en souvenir. Pour m'interroger sur mes pires moments à Cannes. Ah bah oui, mais oui. Mais avant, je vais lire mon conducteur. N'avez-vous des bons moments à Cannes? Ah ouais, dès qu'il y a des potins, moi j'aime bien, hein, tu sais. Ah, c'est pas vraiment des potins, c'est plus lié à la nature de Cannes. C'est-à-dire que Cannes, c'est beaucoup de monde et beaucoup de gens qui ont rien à foutre là. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. On me dit souvent la même chose sur Cannes, j'ai l'impression. Et si je peux ne pas y aller, je n'y vais pas. Ah oui, tu y vas cette année? Non, cette année c'est compliqué. Le festival commence le jour de mon mariage et se termine le jour de mon anniversaire. Donc très clairement, cette année ils ont tout fait pour que j'y aille pas. Alors. Avant de lire le conducteur, j'ai oublié de préciser que cette émission sera en replay dans 24 heures déjà, donc vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube et également en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur toutes les applis de podcast en gros, sauf Apple Podcast parce que c'est beaucoup plus compliqué pour lancer un podcast chez Apple et ça met un peu plus de temps, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas parce qu'il y en a plein qui le demandent. Et donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Un grand merci à tous pour les podcasts parce qu'on était dans le top 100 des podcasts les plus écoutés, donc grand cœur sur vous, cœur avec les mains à tous. Je vais sortir mon petit conducteur. Ah magnifique, tu sais bien le faire, j'arrive pas à faire les cœurs. Ouais. Tu le fais. Alors, je sais très bien faire les cœurs, ce que je sais vraiment pas faire c'est ça. Mais les cœurs, ça va, j'ai plus l'habitude. T'as bien fait le signe de Jules, hein. Tu l'as très bien fait. Non, on voit l'expérience. Les week-ends en Bretagne, Nico Pratt écoute les albums de Jules, les 50 albums de Jules, il doit sortir un album par mois.
On est sur 4 par an, quoi. Je te reçois, notamment, on va pas parler de ça, mais on va surtout parler de ça en début d'émission. On va parler de Oasis ou la revanche des ploucs aux éditions Play Society, livre que tu as écrit avec Benjamin Durand. Et comme je suis très bon en technique, là je vais vous afficher, hop, la couverture de l'essai. Là, il y a la couverture qui est sur toi. C'est pas grave, mais comme ça, vous me pouvez décaler un peu. Parce qu'en fait, j'ai le livre là devant moi, mais en fait, je l'ai acheté en e-book parce que j'ai voulu le commander vendredi. Je me suis dit que j'allais jamais le recevoir pour l'émission. Du coup, je l'ai en e-book. Et du coup, ça le fait moins de le montrer. Donc là, au moins, vous voyez bien la couverture. Hop, et là, je vais l'enlever parce que sinon, tu vas rester comme Oui, je suis un peu sur le bord de ma chaise. Mais... non, mais sinon, regarde, je vais la mettre. Regarde, je vais la mettre comme ça. Regarde, hop. Comme ça, je la garde tant qu'on parle. Ah, t'es un bon. Oh là là. Ça, t'as vu ? Je suis trop bon en technique. T'es un bon Jules Renier. Incroyable. Ah, merci beaucoup. Merci Nico Pratt. Donc, on va parler d'Oasis ou la revanche de Plouc. On va parler de toi aussi en général, de tout ce que tu as fait parce que. Oh là là. C'était un casse-tête de tout retracer tout ce que tu as fait dans ta vie. Et j'ai essayé de le faire au plus de mémoire. Après, je me suis un peu aidé d'internet parce que je connais déjà beaucoup de choses sur toi. Je te connais quand même un peu. On se connaît depuis combien de temps ? Ça se compte en années maintenant. Bah, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, et j'en parlais avec Flonflon Musique, Benjamin Valbon, je crois que c'était il y a deux semaines. Bah, cœur à Benjamin, cœur à mort. Il passera sûrement après son émission. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Nantes, au Trampolino. C'était une émission organisée par le Move. Je crois qu'il y avait le patron du Move, je crois, avec nous. Et en gros, c'est la première fois que je rencontrais Benjamin. Et c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. En fait, à la base, c'était même pas. Je crois que c'était pour voir Benjamin. Et Benjamin m'a présenté à toi. D'accord. Mais ça devait être en 2014 ou 2013, un truc comme ça, c'était il y a longtemps. Bah ouais, le move ça date pas mal, ouais. La fin du move, c'était quoi ? C'était début 2015. Ah putain, donc, j'aurais dit tellement plus, c'est fou. Non, c'était, je crois que c'est début 2015. Hein. D'accord, okay. Je crois, hein, okay, je dis okay. Peut-être une énorme bêtise. Non, t'as sans doute raison. Et ouais, c'était une soirée, le move, et tu faisais une émission pour France 4. Je crois aussi. Où t'avais reçu Pégase. Ouais, absolument. On était allé dans un blocos. Ouais, je tournais à ce moment-là. En fait, j'avais réussi. J'avais à la fois une émission pour le Move et parallèlement à ça, je réalisais mon premier documentaire pour Monte le son sur France 4, qui était en fait un tour de France de la scène pop en fait musicale. Et en effet, on avait tourné avec comment s'appelait ce groupe, j'ai Napoléon Dynamite dans la tête, mais en fait Disco Anti-Napoléon. Ouais. Et en gros, on les avait filmés dans un blocos, dans un espèce de squat dans lequel ils faisaient un live avec des canettes de bière tiède dans un caddie à l'entrée, enfin voilà. Et là, l'endroit était assez sidérant. Et j'en garde un très très bon souvenir. Et je crois qu'on avait fini la soirée. Tout est un peu. La fabrication de ce documentaire reste encore aujourd'hui un mystère pour moi. Après le documentaire, je me souviens qu'on avait bu un verre avec Benjamin et tout, au chien stupide. Mais on va reparler de cette soirée parce que pour moi, une journée type de Nico Pratt au travail, c'est ça. Ça bouge de partout. Ça m'avait impressionné. Cette soirée m'avait beaucoup impressionné parce que tu bougeais de partout. Un moment, t'étais un truc pour le move. Un moment, tu disais, attends, là, j'ai un tournage pour monter le son ici. Je reviens. Et c'était incroyable, ça passait à 1000 à l'heure. Et pour moi, c'est Nico Pratt. Pour moi, ça résume bien Nico Pratt parce que je t'ai revu il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. C'était avant le Covid. Pendant. C'était dans le monde d'avant. Ouais, c'était pas la Japan Expo. Comment c'était pour Dico Spayer One. Ouais, voilà. Alors là aussi, tu courais de partout. Je voyais aller dans tous les sens et tout. Après, si tu me croises que quand je réalise des docs.
Évidemment, pour le coup, ça va être un peu speed. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon quotidien. Désolé, mais pour moi, c'est ça. Heureusement. Ouais, bon, alors, non, c'est pas mon quotidien. Heureusement, parce que sinon, je serais mort. Non, mais j'aime bien. C'est un des trucs que j'aime vraiment, vraiment, vraiment dans mon métier. C'est qu'en fait, la curiosité peut être rassasiée. C'est-à-dire que j'ai toujours apprécié le fait de pouvoir faire de la radio comme de pouvoir faire du documentaire, comme de pouvoir écrire dans la presse. J'ai toujours aimé le fait de pouvoir écrire un livre comme Oasis ou La Revanche des Ploucs, qui est un essai, et d'écrire à côté un gros bouquin pour Rockarama sur Jurassic Park, qui est beaucoup plus facile d'accès. J'ai toujours aimé et puis surtout, j'ai toujours aimé, voilà, Oasis par exemple, pour prendre l'exemple, Oasis c'est un groupe que j'aime passionnément depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis un gros fan, et finalement, voilà, mon métier me permet aussi d'entretenir la passion, et du coup, j'avais même pas l'impression, enfin, c'était du boulot, mais voilà, c'était quand même vraiment vivre voilà, ma passion et mon métier, et inversement. Alors on va parler d'Oasis sur la revanche des Ploucs. Alors ce qui est intéressant avec Twitch, d'ailleurs tu viens de me dire que c'était, tu m'as dit juste avant que c'était ton premier Twitch, on t'avait jamais reçu sur Twitch. Non, parce que, c'est mon premier Twitch. Je crois qu'on a fait un apéro de Sugi sur Twitch à un moment, mais c'est tout. Et en fait, j'ai eu envie, éventuellement, je travaillais en plus avec un pote dans le sens de créer quelque chose sur Twitch. Et puis, c'est le moment où Eric Ciotti est arrivé sur Twitch, où en fait, tout un tas de gens qui avaient rien à foutre sur Twitch arrivaient sur Twitch et libre à chacun d'aller sur Twitch. Non, mais, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas être ce mec-là qui arrive sur Twitch juste pour arriver sur Twitch, et je voulais avoir des trucs à raconter et je voulais pas venir uniquement pour suivre le mouvement, et du coup je suis jamais venu parce que j'ai pas eu de super idée, quoi. Bah écoute, bienvenue sur Twitch. Merci beaucoup. Toi. Je suis très ému de savoir que c'est ta première fois sur Twitch. J'allais justement te poser la question un peu plus tard si tu comptais venir sur Twitch. Du coup, t'as un peu répondu. Quand ce sera justifié. Et du coup, sur Twitch, on peut créer des sondages. Et du coup, on va faire des sondages très simples et très clichés. Mais vu qu'on Keanu Reeves ou Manu Lévy. Bah écoute, vas-y. On va faire ça. J'ai vu qu'il y a Héloïse Mushroom qui vient d'arriver dans le chat, qui est une modératrice également du chat. Il y a Oli également qui est modérateur. Est-ce qu'il y a d'autres modérateurs? Est-ce que j'en ai loupé un? Non, je crois pas. En tout cas, bienvenue à vous. Écoutez, on va faire Keanu Reeves, Manu Lévy. Je trouve que c'est un sondage hyper intéressant. Et après, on fera un sondage. Des sondages, on va créer des tensions. On va faire un Blur Oasis. Après, on va faire un Liam Noël. Voilà. Ok. Si ça te va. Ah ouais, tout me va. Du coup, je vous propose alors Manu Lévy face à Keanu Reeves. Vous pourrez voter. Je sais pas comment on fait les. En fait, je sais pas comment on fait les sondages sur. Je vais pas t'aider. Ah voilà. Le sondage a commencé, donc n'hésitez pas à voter. Et je vais en profiter également pour parler de Oasis ou la revanche des Ploucs. Je disais que tu as écrit avec Benjamin Durand. C'est un essai. C'est un essai aux éditions Playlist Society. C'est très intéressant ce que vous proposez avec cet essai. C'est pas un simple livre qui retrace l'histoire d'Oasis en disant ils sont nés là, puis après ils ont formé en 95 Oasis. Voilà. Non, il faut savoir que Noël et Liam ont grandi sous. Alors je suis très nul en politique. Moi aussi. Sous la politique de Margaret Thatcher. Et le livre raconte entre autres en quoi le groupe a été influencé par cette politique quand ils ont grandi, parce qu'il faut savoir qu'ils ont grandi dans un quartier de Manchester qui était plutôt pauvre. Très pauvre. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que le livre s'appelle Oasis sur la revanche des Ploucs, car ils n'avaient pas beaucoup d'espoir d'avenir. La société les mettait un peu de côté. C'est le mot plouc. On nous a un peu, pas énormément, mais on nous a un petit peu reproché ce titre, certains le jugeaient un petit peu condescendant. Du coup, dès que je peux le redire, et je vais le redire,
voilà, petite piqûre de rappel, le mot plouc, c'est évidemment pas nous qui les considérons comme des plouks, c'est l'étiquette que qu'on leur collait à l'époque, qu'on continue parfois de leur coller. Voilà, les plouks du titre, ce sont ces gamins qui partaient avec aucune chance dans la vie, que la bonne société regardait de haut et regardait de loin, et qui finalement ont eu leur revanche sur la vie, quoi. Évidemment, voilà. Loin de moi l'idée de pointer du doigt les frères Gaga à dire ah c'est des ploucs, le livre ne... enfin c'est pas l'idée quoi. Et en tout cas ouais voilà, bah tu voilà, du coup ça a une revanche un peu personnelle de la part des deux frères de montrer qu'ils ont pu quand même réussir alors que la société ne leur a pas du tout tendu la main, donc c'était un peu un doigt d'honneur. Et après plouc, bah, comme tu enfin tu en fait tu viens de répondre, j'allais dire un peu ce que tu allais dire. Mais ouais, après Ploug ne représente pas que les deux frères, du coup c'est ouais, c'est un peu tout un tas de gamins des années 80 en Angleterre qui sont maintenant devenus de grandes personnes alors qu'on se foutait de leur gueule il y a encore 30-40 ans quoi. Ouais, exactement. Bah en fait nous ce qui nous intéressait dans cette histoire, c'est-à-dire que ça nous intéressait pas tellement de raconter l'histoire du groupe, c'est-à-dire une biographie classique. Ça existe déjà et voilà, c'est pas forcément passionnant en tout cas à écrire, et en l'occurrence nous ce qui nous intéressait vraiment c'était de raconter comment ce groupe qui est connu de la terre entière, comment ce groupe continue un petit peu d'être regardé comme de simples faiseurs, on continue de dire ah ouais, plagieur des Beatles et tout, alors qu'en fait l'histoire d'Oasis, c'est l'histoire de l'Angleterre et c'est voilà, c'est l'histoire du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne. Et en fait, on trouvait que cette histoire-là n'avait pas été racontée, en tout cas pas en France. Pour le coup, les Anglais sont très forts pour ça. Hein, y a des supers ouvrages sur le sujet. Mais du coup, nous on voulait dire voilà, regardez, certes, vous en avez sans doute marre de Wonderwall. Certes, vous êtes peut-être plus Blur, et il n'y a aucun souci, j'adore Blur, hein, voilà. Mais vous auriez tort de les regarder un petit peu de biais, vous auriez tort de penser que c'est uniquement des grandes gueules qui ont eu deux tubes, parce que leur histoire est plus grande que les tubes, en fait. Leur histoire, elle commence dans les années 60, elle mélange la politique, elle mélange le social, elle mélange le musical, évidemment, et c'est cette histoire-là qu'on voulait raconter. C'est compliqué de parler du livre sans trop en raconter, parce que bah, du coup, je vous conseille également de lire le livre, qui se lit très facilement. En plus, c'est quoi, c'est 140 pages, un truc comme ça, il me semble. Ouais, en une heure et demie, c'est plié, je pense. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est dispo dans toutes les librairies. Vous pouvez vraiment le trouver partout. Tapez Oasis ou la revanche des ploucs sur... c'est comment le site où on peut retrouver... des libraires, enfin bref, t'as pas de libraire, Oasis sur Orange et Pouk, et vous allez pouvoir trouver tous les endroits où est dispo. Exactement, mais Oasis. Sinon il est à la FNAC aussi, il est en ouais. FNAC, vous pouvez l'acheter directement sur le site de l'éditeur, Playlist Society. Donc non, on est content parce qu'il est plutôt bien mis en avant. Donc ça, ouais, c'est cool, c'est super. Mais quand j'ai pris le livre en e-book, le livre était numéro 1, je sais plus dans quelle catégorie. Ouais. Numéro 1 des essais, ouais. Félicitations, c'est génial. Merci beaucoup. Alors je sais pas combien de temps on est resté numéro 1. Là c'était numéro 1 quand j'ai acheté ce week-end. Ah bah c'est cool. Bah, écoute, voilà, on est au moins numéro 1 dans quelque chose. Déjà, ça fait toujours plaisir. Et non, c'est cool. En vrai, on va, voilà, il y a les retours sur le livre. Et j'en profite, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu dans les commentaires ou dans celles et ceux qui nous regardent. Mais vraiment, les retours sur le livre ont comblé tous nos espoirs. C'est-à-dire que non seulement ça intéresse les gens, mais en plus, voilà, apparemment, on s'est pas trop planté, justement, dans ce que je te disais juste avant, dans cette histoire qu'on voulait raconter. Apparemment, on s'est pas planté, donc voilà, on est très heureux. Donc, un immense merci à celles et ceux qui ont pris le temps de le lire et même d'écrire sur le sujet. Ouais, c'est adorable. Et puis là, on a eu, la presse est dithyrambique, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est cool parce que j'ai tapé sur internet Oasis sous la revanche des ploucs. Il y a eu plein de chroniques sur l'essai, des chroniques également à la télé. Je t'ai vu, on a parlé du livre, pardon,
à quotidien, repeint. Ouais. Quotidien cool. Et un peu Ambre Chalumeau qui a aimé le livre a un peu, pas mis le feu aux poudres, mais elle a vraiment lancé le truc. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où Quotidien en parlait, déjà on a vu un impact sur les ventes immédiatement. Notre éditeur a tout de suite vu les commandes tomber. Et puis voilà, et puis on a eu France 2 quelques jours plus tard. Et à partir de là, du coup, forcément, l'intérêt suscite de l'intérêt qui suscite de l'intérêt. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Ça parle aussi des tensions quand même entre les deux frères dans l'essai. Alors s'il y en a qui ne connaissent absolument pas Oasis, peut-être en vrai. Peut-être. Noël écrit. Liam interprète, c'est ça. Principalement, ouais. Et il y a toujours eu d'énormes tensions entre les deux frères. Ouais. Ouais. C'est un petit peu, c'est le cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire unis mais désunis en même temps. C'est-à-dire que dès le début, dès leur enfance, dans les années 60 et 70, ils ont très clairement direct des divergences et ce qui explique les tensions tout au fil des années, le clash en 2009. On va parler du clash également en 2009. Ouais. Et ça parle également de leur rivalité avec Blur. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un Oasis Blur dans le sondage. D'ailleurs, c'est Oasis qui a remporté le sondage. Bien joué. C'était Keanu Reeves. Ça va tuer les filles. Meilleur sondage. Bah, franchement, merci beaucoup. Alors, Keanu Reeves a remporté de beaucoup ou pas ? J'ai pas les résultats. On n'a pas les chiffres. Mais c'était un énorme pourcentage pour Keanu Reeves. D'accord. Bon, merci beaucoup, ça fait plaisir. Après, Keanu Reeves a gagné, mais est-ce que Keanu Reeves arriverait à présenter une matinale sur NRJ ? Je ne pense pas. Voilà. ouais, du coup, il y a une énorme rivalité. Blur Oasis depuis les années mi-90, c'est ça, je crois, ouais, il me semble. 95. Ouais, c'est ça, 90. Enfin, non, 95, c'est ce qu'on a appelé le clash de la Britpop. Ouais. The Battle of Britpop. Mm. Après, ils se tirent dans les pattes depuis 94, dès qu'on a commencé à tendre un micro aux frères Gallagher, de toute façon. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, voilà, le sommet de ce clash, c'est donc la bataille de la Britpop à l'été 1995. Mm. Pour rappel, c'était en gros Oasis qui devait sortir le deuxième single de son deuxième album. Donc le single, c'est Roll With It. Et en gros, Blur devait sortir un single également, Country House, deux semaines plus tard. Et le label de Blur décide de créer un petit événement et d'avancer la sortie du single de Blur le même jour que le single d'Oasis. Et vous ajoutez à ça une actualité pas palpitante à ce moment-là, c'est-à-dire que ça a quand même fait le sujet d'ouverture du journal national de la BBC, donc le JT de 20h. Et ça a fait la couve du New Musical Express, qui était un magazine encore très influent en Angleterre. Et vous avez voilà, le clash de la Britpop, dont on parle encore aujourd'hui. D'ailleurs qu'encore aujourd'hui, on fait des sondages Oasis ou Blur. Et alors que c'est ce qu'on raconte dans le livre, alors que c'est une pure invention marketing, idée de génie. Puisqu'on en parle encore aujourd'hui, et les deux groupes en ont plus que bénéficié, mais c'est pas... voilà, c'est vraiment... c'est une pure invention, quoi. D'ailleurs, tu parlais de la Britpop, donc ouais, qui a commencé mi-90, et avant la Britpop, c'était le grunge aux États-Unis qui était vraiment vedette, c'est ça ? Bah, genre en Nirvana. Fait... Ouais, en fait, en gros, ce qu'on explique, c'est que l'une des raisons du succès... d'Oasis, mais aussi de Blur, de Supergrass, en tout cas de ce mouvement Britpop, c'est le fait qu'en fait, il y a toujours eu un mouvement de TikTok entre l'Angleterre et les États-Unis, et que surtout, la presse a besoin d'icônes, la presse a besoin de gens à mettre en avant, de personnages à mettre en avant. Et en fait, la mort de Kurt Cobain, qui était l'icône absolue de sa génération, a créé une sorte de vide
Alors, il y a eu par la suite des très bons albums des Smashing Pumpkins, de Soundgarden. Enfin, le grunge n'est pas mort du jour au lendemain. Mais voilà, la presse avait besoin de nouvelles icônes à mettre en avant. Et donc, du coup, le Kurt Cobain mort, ce mouvement de balancier est revenu vers l'Angleterre. Et à ce moment-là, les médias britanniques avaient plutôt misé sur Blur ou sur Suède, pas forcément sur Oasis. Et voilà, c'est Oasis qui... Au final, c'est Oasis qui a remporté le trophée. Mais voilà, ce qu'on raconte, c'est que le succès du groupe vient aussi, est aussi né sur les cendres de la mémoire de Kurt Cobain. Je vous conseille de lire le livre pour lire toutes les anecdotes. Est-ce qu'on peut quand même parler de l'anecdote de Tony Blair? Et je crois que c'est Noël Gallagher qui était invité. Ouais. Il s'est passé plein de trucs avec Tony Blair. Alors on ne sait pas exactement. En fait, en gros, Tony Blair est élu nouveau Premier ministre. Et à ce moment-là, Noël Gallagher est vraiment au sommet de sa gloire. Et Noël Gallagher, dans la presse, soutenait Tony Blair. Et du coup, Tony Blair se vendait un petit peu comme l'homme politique jeune et cool. Voilà. Et il a invité Noël Gallagher, ainsi que sa femme, ainsi que le patron du label Creation, Alan McGee, qui était le mec qui a découvert Oasis. Et il les invite au 10 Downing Street pour la petite soirée. Soirée de lancement de son mandat, quoi. Et en gros, alors, il y a des photos de cet événement où Noël Gallagher a une petite coupe de champagne dans la main, serre la pince à Tony Blair et où ça a l'air plutôt sage. Sauf que par la suite, alors, j'y étais pas, mais par la suite, il a déclaré avec fierté être allé prendre de la drogue dans les chiottes, ce que je veux volontiers croire. Et il a également affirmé avoir dessiné une petite moustache hitlérienne sur un portrait de Margaret Thatcher. Alors ça, pour le coup, on n'a pas vraiment trouvé, on n'a pas trouvé énormément de sources sur cette histoire. Du coup, on le dit dans le bouquin, c'est peut-être à prendre, c'est sans aucun doute à prendre au conditionnel. Mais dans les deux cas, j'ai envie de croire que c'est vrai. Bass Boost qui dit c'est très Beatles ça comme comportement. Et ils ont plus d'un point commun avec les Beatles. Et en effet, faut regarder, il y a vraiment, si vous regardez des extraits d'interviews des Beatles dans leur jeunesse, on fait pas beaucoup plus drôle que John Lennon et Ringo Starr, quoi. Faut voir aussi le film Quatre garçons dans le vent. Je sais plus si c'est celui-là, ouais. Enfin, il y a un moment, ils jouent leur propre rôle dans le film, ils sont dans une espèce de junket, et alors c'est difficile à retranscrire en français, mais il y a quelqu'un qui demande, je crois que c'est à Ringo Starr, alors comment vous avez trouvé les États-Unis? Ce qui revenait d'une tournée américaine, et Ringo Starr qui répond par hasard juste après le Canada. Et voilà, c'est vraiment. Ils ont en commun une tchatche et un bagou assez dingue. Bah, de toute façon, Oasis est fan des Beatles. Enfin, les deux frères sont fans des Beatles. Bah oui, oui. Après, c'est marrant, c'est ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est pas vraiment les mêmes fans. C'est-à-dire que Noël Gallagher, il a appris à jouer de la guitare sur A Hard Day's Night. Et donc, lui, a un regard très, très musical sur les Beatles. C'est-à-dire qu'il a appris à jouer. Alors attends, la meilleure, il y a Bass Boost qui dit, c'est en effet, elle est géniale, c'était une question, est-ce que Ringo est le meilleur batteur du monde? Et McCartney répond, ce n'est même pas le meilleur batteur des Beatles. Voilà, celle-ci, elle est en effet géniale. Et donc Noël, lui, il a une admiration musicale pour les Beatles, alors que Liam, il a une admiration plus pour Lennon déjà, et surtout, il s'amuse à raconter qu'il a récupéré le karma de John Lennon après sa mort, enfin... Voilà, c'est lui, on est plus dans une espèce d'ésotérisme un peu étrange. Il aime la musique, mais il aime surtout l'icône et il aime surtout la rockstar, le pouvoir d'évocation d'une rockstar. Et donc voilà, ils aiment les Beatles, mais pas de la même façon. Ça qui est intéressant.
Après la séparation de d'Oasis en 2009. Ouais. Avant de parler de ça, parce que là je lis mon conducteur, mais en fait on va parler parce qu'après on va parler d'autre chose. Tu as parlé tout à l'heure de 2009, donc la séparation de d'Oasis. C'était ouais. À Rock en Seine, donc Rock en Seine, c'est quoi? C'est fin août. Premier soir de Rock en Seine, ouais. C'est ça. Est-ce que tu y étais? Bien sûr. Ah, ben voilà. Ben oui. Alors, j'étais pas dans les coulisses, j'étais dans la salle. Alors, je précise. Tu as séparé les deux frères, c'est toi qui les as séparés. En préparant ce livre, on s'est rendu compte que beaucoup de monde prétendait avoir été là. Était là à un moment, c'est quand même étrange quand même qu'il y avait autant de Français que ça dans les loges. Donc non, ce qui s'est réellement passé au final est plutôt nébuleux, c'est-à-dire que aucun des deux ne s'est jamais vraiment exprimé sur les mots échangés. Mais en l'occurrence, moi je les avais beaucoup vus sur leur dernière tournée, je les avais déjà vus trois fois. Je les avais vus à Bercy, je les avais vus à Lille et je les avais vus au Bataclan. Et du coup, ce concert-là, Rock en Seine en plus, qui est vraiment mon festival de cœur, hein, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les éditions depuis le début, depuis quasiment 20 ans du coup. Et donc, premier soir, on est au 10e rang avec Benjamin Durand d'ailleurs, et on comprend assez vite qu'il y a quelque chose qui va pas, pas parce qu'on est plus malin que les autres, mais parce qu'à 21h, la batterie n'est toujours pas installée. En gros. Et donc, voilà, si tu veux que ton concert commence à 21h10 et que la batterie est toujours dans les flight cases, c'est pas possible. Et la tournée avait eu pas mal de soucis, il y avait des problèmes de son, on sait qu'ils voyageaient séparément, les deux frères, enfin, voilà, on savait que c'était tendu, mais il restait trois dates. Il restait trois dates à la tournée, il n'y avait aucune raison qu'ils n'aillent pas au bout, qu'ils ne fassent pas le show, et puis bim, bam, boum. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quelqu'un est monté sur scène, a annoncé que le groupe n'existait plus, qu'il s'était battu dans les loges. À ce moment-là, Noël Gallagher, il est déjà dans le taxi en train de préparer un petit communiqué annonçant la séparation du groupe. Et nous, avec Benjamin, on est là, mais... En fait, on est sous le choc, c'est-à-dire que... Pardon, il y a mon chien qui vient... Vous voulez voir mon chien? Ah, mais oui. Tiens, replay, tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour ou pas? Non, moi, elle veut plus. Et en fait, on est tous évidemment sous le choc parce que... Hop, attends. Vous la voyez bien, là, ou pas? Là, on voit son museau. Il faut que tu lèves un peu la caméra. Hop là. Ah, bon, elle est repartie. On l'a vu. Voilà. Et en fait, voilà, non, on est tous un petit peu... tous évidemment un petit peu sous le choc parce que c'est quand même des groupes qui se séparent, ok, mais à quelques minutes une tête d'affiche d'un festival en se battant dans les loges, c'est quand même assez fou et donc on était vraiment secoués. Moi en plus j'avais ma sacoche, je me baladais sur le site du festival avec ma sacoche Oasis, donc tout le monde s'est foutu de ma gueule toute la soirée. Et pour la petite anecdote, on a dédié ce livre à un monsieur qui s'appelle Christophe Morassin qui travaillait pour le label français d'Oasis à ce moment-là, et du coup qui nous a dit, les mecs, on a fait des câlins, voilà, c'était trop mignon, et il nous a dit, les mecs, pleurez pas, venez me voir au label demain, j'aurai des cadeaux pour vous. Et on est allé au label, et en fait il avait des cadeaux, il nous a filé des t-shirts, il nous a filé des disques, mais en fait, il y a vraiment que moi pour être content de ça, c'est-à-dire qu'il nous filait des cartons de disques, mais avec 50 fois le même disque. Donc, genre 50 fois le dernier album ou 50 fois le dernier single. Donc, j'ai encore du stock, du stock improbable des derniers singles d'Oasis. Et voilà. Donc, finalement, c'était un moment assez triste, mais on s'est quand même bien marré. Est-ce que tu m'entends, Jules? Je t'ai perdu. Mince, pardon, j'étais en train de régler un truc parce que je voyais qu'il y avait un problème avec le chat. Mais je t'écoutais, en fait, j'étais en train de réagir. Mais pas que pour moi, il y avait en effet, moi, on m'a redit bienvenue sur le chat. Du coup, je me suis demandé si c'était oui, que voilà. Mon côté. Mais du coup, j'avais coupé mon micro et là, j'étais en train de réagir. J'étais mais en fait, on m'entendait pas. Non, c'est bon, le chat a lâché. Non, mais ouais, il y avait un problème de connexion. Normalement, c'est bon. Attends, regarde, je vais écrire test. Ouais, c'est ah, très bonne question, très bonne question de Bass Boost. Est-ce qu'il y a tant de groupes avec deux frangins qui se passent toujours bien, à part les Sparks de toute façon? Alors c'est vrai que l'histoire des Sparks, elle est assez incroyable. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce groupe, je vous encourage à explorer leur discographie, leur discographie qui part dans tous les sens. C'est vrai que
c'est en même temps ce qui fait à la fois la force, c'est des frangins. Kings of Leon, je crois que ça se passe plutôt pas mal, pour le coup. C'est cette confrontation artistique, c'est-à-dire que forcément avec ton frère, tu te bagarres. Et en même temps, ça crée aussi des histoires, c'est-à-dire que le rock'n'roll, c'est pas uniquement des chansons, c'est aussi des clashs, c'est aussi Gojira, Gojira. En effet, bah non, en fait, il y a quelques exemples quand même où ça se passe bien. Mais voilà, les Black Crowes, ça s'est mal passé. C'est ce qu'on aime, Soulwax, ouais, Soulwax. Bah en fait, ça se passe bien la plupart du temps. Non, bah, c'est comment dire? Je peux pas m'empêcher en tant que, pas forcément en tant que fan, mais surtout en tant que journaliste, de considérer que l'histoire est plus belle quand il y a des frictions, quoi. The Uncommon Man from Mars, mec. Alors Daria, pardon. Donc peut-être pas mec. Je sais pas si tu es un non, Daria c'est, Black. C'est ma belle-sœur. C'est ta belle-sœur. et ben mademoiselle, j'ai pas lu ou entendu ce nom. Ouais, je connais un super groupe de punk lyonnais, absolument. Depuis mais des années, ils existent encore. J'en profite du coup, Jules, je te laisse. Je vous laisse discuter ensemble. Hein. Non, c'est vrai que alors Bass Boost connaît extrêmement bien son sujet. On revient à la Bible encore une fois. Oasis, c'est un peu Cain et Abel, mais en permanence. Et en effet, et Liam Gallagher a même écrit une chanson qui s'appelle Guess God Think I'm Able sur leur avant-dernier album. Voilà, la boucle est bouclée. Eh ben, en attendant que... c'est bon. Kane est débile. Eh ? J'ai pas compris. Ah non, c'est Bass Boost, pardon. Ils étaient au Hellfest il y a quelques années. Je pense qu'on est sur les Uncommon Men from Mars. Oui, c'est ça. Mais The Uncommon... Alors attends, comment on dit Uncommon Men from Mars ? Ouais, c'est ça. Je connais pas. Vous avouez, je ne connais pas ce groupe. Nope, mais ils sont partis vers d'autres horizons. The Uncommon Men from Mars, je me demandais si ça existait encore. Mais le grand frère avait un projet, Sons of Buddha. Très bien. Après la séparation d'Oasis en 2009, pour revenir à Oasis, il y a Noel Gallagher qui a formé 2 ans après les High Flying Birds. Ouais, c'est un faux groupe. Hein, c'est... Enfin, il dit que c'est un groupe, mais disons que tout le monde est interchangeable à part lui. Quoi. Ah oui, ok, d'accord. Je connais pas. Alors, je vais tout avouer, hein, je ne connais pas bien. En fait, ce qui l'a intéressé, c'était plus la beauté du pseudonyme, c'est-à-dire High Flying Birds. Du coup, ça, il voulait pas d'une carrière purement solo, il voulait, entre guillemets, se cacher un petit peu et surtout rendre hommage au groupe des années 60 qui utilisait beaucoup ce genre de formulation, c'est-à-dire le nom et derrière, accompagné de. Voilà. Et, mais en vrai, c'est Noel Gallagher en solo. Ok. Et du coup, ça a déjà 10 ans d'existence. Du coup, ça a été formé en 2011. Et du coup, Noel Gallagher a annoncé un best-of qui sort bientôt, d'ailleurs. Il sort dans 2-3 jours. Bah, vendredi, en fait, c'est vendredi. Ouais. Il a sorti vendredi avec. Back the Way We Came. Ouais, exactement. Et voilà. Je suis pas le plus grand fan de la carrière solo de Noel Gallagher, pour être tout à fait honnête. Je trouve qu'il s'est pas mal égaré sur les 2 derniers albums. Les deux films... Qu'est-ce qu'elle ramène ? Putain, elle a ramené dans le salon, sur le canapé, un bâton plus grand qu'elle. normal. Je sais pas si... je sais pas trop si vous pouvez la voir au loin. Ah, c'est bien cadré, ouais. Là, vous la voyez ? Ouais, on voit le bâton. Voilà, et vous voyez la taille un peu du bâton. Replay, c'est de n'importe quoi. Ouais, bah écoutez, au moins elle est sage. Je n'ai aucune autorité sur cet animal. Je lui passe tout. Qu'est-ce que je disais ? Non, que ouais, c'est pas... Je suis pas le plus grand fan. Je trouve que son écriture, c'est un petit peu tarie. Et les deux singles, les deux inédits là, du best-of, n'ont franchement pas grand intérêt. Voilà, mais ça me fait mal de lire. Tu l'as déjà rencontré ? Non, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai croisé Liam Gallagher par hasard à la gare du Nord. Et donc j'ai pas souviens de ton tweet. Ouais, et en fait, j'ai Hélène Ripley. Oui, absolument, j'ai appelé ma chienne Ripley en hommage à Hélène Ripley. Mais tous mes animaux ont des noms. J'ai un chat qui s'appelle Kubrick et un autre chat qui s'appelle Ozzy, pour Ozzy Osbourne.
Donc voilà, c'est pour ça que les animaux, c'est quand même mieux que les enfants, c'est qu'on est vraiment, on est ultra libre, ultra libre là-dessus. C'est entre autres pour ça que c'est mieux que les enfants. Gallagher du Nord, très bien, bien joué, Bassboost. Wow. Ouais, je l'ai croisé. En fait, moi, j'ai toujours été plutôt partant pour dire qu'il fallait pas rencontrer ses idoles. Le risque d'être déçu était trop grand. J'ai jamais rencontré les Daft Punk, j'ai jamais rencontré Bruce Springsteen, j'ai jamais rencontré Jean-Jacques Goldman, je suis très fan de Goldman. Je pense qu'il vaut mieux pas. Et en fait, du coup, j'ai jamais fait la moindre demande d'interview pour Noël Gallagher, ni pour Liam Gallagher, mais quand j'ai croisé Liam Gallagher à la Gare du Nord, je me suis dit, faut que j'y aille. Enfin, j'ai un tatouage, c'est l'une de ses chansons, enfin... Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'y aille, je me sentirais débile de pas y aller. Et en fait, je me suis senti débile d'y aller, parce que j'y suis allé en mode fan, que j'étais débile, que je rigolais bêtement à tout ce qu'il disait, et vraiment, je me suis ridiculisé. À un moment, il me dit, ah, j'adore Paris, et moi, je réponds bêtement, Paris, t'adores aussi. Enfin, tu vois, vraiment, des conneries de fan débiles. Mais j'ai eu ma photo... Et c'était assez marrant. On a discuté une minute et au bout de 30 secondes, il était déjà en train de tacler son frère. C'était drôle, mais voilà. En même temps, j'ai rencontré certaines de mes idoles et ça s'est toujours bien passé. Donc peut-être que voilà ma théorie. Tu vois, j'ai rencontré Johnny Marr, le guitariste des Smiths. J'ai rencontré Albert Hammond Jr., le guitariste des Strokes. Enfin. Et ça s'est toujours très bien passé, donc peut-être que je raconte n'importe quoi. C'est possible. Qu'est-ce qu'il a dit, Liam, sur son frère ? En une minute, attends, tu l'as vu, une minute ? En gros, en fait, j'avais interviewé deux jours plus tôt Johnny Marr, qui est donc le guitariste des Smiths, qui est également un grand pote de Noël Gallagher, et qui a joué de la guitare sur certaines chansons d'Oasis. Et du coup... Ma phrase d'approche de Liam Gallagher, c'était ça, c'était Johnny Marr. Je me suis dit, putain, je rencontre Johnny Marr la veille, il faut que j'aille voir Liam Gallagher et que je lui dise. Voilà. Et je lui dis, ah, j'ai rencontré Johnny Marr. Et lui, direct, me répond, et vraiment direct, il me dit, le problème de Johnny Marr, c'est que c'est un excellent guitariste qui a cru qu'il pourrait être un grand chanteur. Il fait, ah, ok, d'accord. Comme Noël Gallagher. Et là, j'étais putain. Et du coup, moi, je riais bêtement. Qu'est-ce que tu veux que je réponde ? Déjà, je ne vais pas rentrer dans un débat sur son frère avec lui. Ensuite, je comprends un mot sur deux de ce qu'il raconte parce qu'il a un accent horrible. Et moi, je suis un fan. Donc, j'étais là, j'ai rigolé bêtement, quoi. Voilà, comme un fan. Et il avait sa parka. Ouais, il était en short, mais il avait sa parka quand même. Toujours. Il sort toujours. Jamais sa parka, ouais, voilà. Je transpirais pas, alors je peux te dire, moi j'étais en t-shirt et en short et je suais à grosses gouttes. Lui était en parka, putain, pas une goutte de sueur qui perlait, quoi. Je sais pas comment il fait. En tout cas, si vous voulez acheter l'essai de Benjamin Durand et Nico Pratt, c'est Oasis ou la revanche des ploucs, dispo chez Playlist Society. Ouais. Précise que c'est plus intéressant que l'anecdote que je viens de raconter, hein. Je raconte pas Liam Gallagher à Gare du Nord dans le bouquin. Mais c'est hyper intéressant en tout cas. C'est hyper intéressant. Je vous conseille de l'acheter en librairie, à la Fnac, en e-book. Il y a quelqu'un qui m'avait. Je crois qu'il y a une semaine ou deux, j'avais dit éviter d'acheter sur Amazon en disant oh, mais non, vous êtes sur Twitch et tout. Je disais éviter d'acheter les livres sur Amazon pour soutenir les libraires. Oui, c'était surtout pour dire ça. Alors déjà. Déjà, faites gaffe parce que le livre a été momentanément en rupture de stock grâce à vous. Donc faut faire gaffe parce qu'il y a aussi parfois des frais de port qui sont quasiment des frais de livraison quasiment équivalents au prix du bouquin. Donc déjà, vous ne faites pas avoir. Et ensuite, oui, n'hésitez pas, et ça nous tient particulièrement à cœur avec notre éditeur Benjamin de Play Society. On sait que c'est pas forcément dans les mœurs, on a plutôt des envies de facilité, mais si vous avez l'occasion d'aller chez votre libraire, de le commander éventuellement s'il n'y est pas, c'est un coup de pouce bienvenu. Les derniers mois n'ont pas été simples pour eux, quoi. Voilà. Et oui, s'il n'est pas dispo, c'est très simple de commander un livre pour être dispo ensuite quelques jours plus tard.
D'ailleurs, on n'a pas parlé de Benjamin Durand. Est-ce que tu pourrais le présenter, s'il te plaît, Benjamin Durand? Ouais, Benjamin, c'est l'un de mes plus vieux potes déjà. Je crois qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années. C'est l'un des premiers qui m'a donné ma chance puisqu'il avait fondé un magazine qui s'appelait Vox Pop. Et je me souviens très très bien de mon entretien d'embauche parce qu'il m'avait proposé d'écrire dès le numéro 2. Je lui avais dit, est-ce que tu veux que je t'envoie des articles que j'écrivais sur des blogs à l'époque? Il m'a dit, bah non, on boit des coups au motel ensemble, ça me suffit. Le motel, c'est un bar à Paris. Et j'étais, ah bon, bah super, hein, si je peux être embauché comme ça à chaque fois, uniquement sur la base des pintes que j'arrive à descendre avec grand plaisir. Et en fait, voilà, lui, il a vécu à Manchester pendant quasiment une dizaine d'années. C'est un super pote. Ça me paraissait normal d'écrire sur ce bouquin avec lui. Et en plus, gros connaisseur, pour le coup, il a une formation d'historien. Donc, il a une mémoire de dingue. L'histoire politique de l'Angleterre, il connaît par cœur. Donc, on va dire que moi, j'ai apporté l'impulsion de départ pour ce bouquin. Et lui a apporté la vue d'ensemble et une grille de lecture que j'avais pas forcément. Mais on salue Benjamin Durand. D'ailleurs, ouais, tu parles de Vox Pop et le motel. Vous allez être au motel lundi, je crois, le 15 juin. Mes avis aux Parisiens et aux Parisiennes qui nous regardent et qui nous écoutent, lundi 14, à partir de 19h, petite soirée de lancement du bouquin, lancement qui a déjà eu lieu, enfin qui est déjà sorti, mais voilà, le bouquin sera en vente, on pourra parler d'Oasis, on pourra parler d'autres choses, on pourra dédicacer si vous le voulez. Voilà, ce serait l'occasion, on profite du fait que les bars rouvrent pour refaire enfin une soirée de lancement, quoi. Là, ça y est, je reçois de nouveau des invitations à des events sur Facebook. Et alors, j'irai pas forcément, mais le kiff de cliquer sur participe, ça fait de nouveau plaisir. J'ai fait ça pour la première fois et j'ai eu la même chose. J'ai eu des frissons. C'était pour Will of Green. Ouais. Septembre. C'est cliqué. Alors j'ai mis peut-être être intéressé. J'ai mis être intéressé, mais rien que ça. Ouais. J'ai eu des frissons, tu vois. On redevient un peu snob, c'est-à-dire qu'on est là, oui, peut-être. C'est ça. On verra. Mais quel plaisir. Alors, lundi, est-ce qu'il y aura des petits fours? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y aura des petits fours lundi au motel? Est-ce que tu ne viens que s'il y a des petits fours? C'est exactement pour ça que je te pose la question. Eh bien, il y aura des petits fours. Eh bien, écoute, Nico, je serai là. Je serai là pour soutenir le livre, évidemment. Notez, je note prévoir petit four parce que c'était genre pas du tout prévu. T'es vraiment en train de l'écrire? Non. Basbous qui dit, j'avais découvert Nico à la grande époque du Move. Ça fait tellement plaisir de te voir contribuer des projets cool. Ah, c'est très gentil, Basbous. Ouais, c'était. C'est marrant parce que le Move, ça commence à dater, enfin quand je dis le Move, je parle de mon époque au Move, et c'est vrai que on continue à me parler des émissions comme Popcorn ou comme Glory Box, et c'est assez touchant parce que je me rendais pas forcément compte sur le moment de l'oreille attentive qu'il y avait de l'autre côté du poste. Donc franchement, merci beaucoup. Et les projets cool, bah c'est comme ça qu'on les sélectionne, hein. Voilà, si c'est cool on le fait. D'ailleurs, on va retracer un peu tout ce que tu as fait. Je vais dire une dernière fois, acheter, regardez, je vais le mettre en plus grand, la couverture. Hop, Oasis, la revanche du pouvoir, je le mets en énorme. Hop, hop, hop. Regardez, achetez-le. Voilà. Et qui a fait la couverture? C'est Lucien, ouais. C'est un artiste de talent qui fait toutes les couvertures de Playlist Society. C'est Lucien de Bexo. Voilà. Et c'est, alors, pour la petite anecdote, alors je ne sais pas si l'éditeur sera ravi que je raconte ça, mais pour la petite anecdote. En gros, le bouquin devait partir en impression quelque chose comme le lundi, et on nous avait prévenu, on va sans doute recevoir la couve le jour même. Donc, vous avez intérêt à l'aimer, en gros. Et du coup, avec Benjamin Durand, on se disait, on espère quand même qu'on va l'aimer, parce que si on l'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il nous l'a envoyé, on était comme des oufs, quoi. C'est vrai que la couverture est hyper belle, et toutes les couvertures de Please Society sont super belles. Ouais, il y a un vrai. C'est aussi pour ça qu'on aime cette maison d'édition. Il y a un vrai travail visuel. Et voilà.
Hop, là j'ai enlevé la couverture. Maintenant tu as ton côté gauche de libre. Super, je peux me rasseoir normalement. Ouais, j'essaie de retracer, c'est pour ça que je t'ai dit, c'était un petit casse-tête et j'essaie de faire ça de mémoire. Je me suis un peu après d'aide internet, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça parce que t'as fait plein de choses. Tu parlais tout à l'heure de Vox Pop. Tout a débuté avec Vox Pop, non? Absolument. Tout a débuté, pour moi, j'écrivais un petit peu avant sur différents sites, voilà, mais mes premières piges professionnelles, c'est-à-dire où vraiment j'étais pas en stage parce que j'avais fait des stages avant, évidemment. Je pense que voilà, ce que t'as pas dans ma bio, je pense que c'est mon passage chez Pleine Vie, le magazine des vieux. J'ai travaillé chez Pleine Vie, le magazine des vieux. C'est pas le slogan, hein, c'est pas le slogan, mais bon, Je pensais que c'était bref. vraiment ça. Non, Ça non, aurait non, été non, génial. non, non. Et voilà, j'ai fait mon lot de stages, mais vraiment, la première fois que j'ai été intégré à une rédaction, que j'avais des conférences de rédaction, je pouvais proposer des sujets, où j'allais faire des interviews, où j'ai même fait à un moment la couve, enfin un sujet de couve, c'était Vox Pop. Donc voilà, c'est vraiment Vox Pop qui a tout débuté pour moi. Et grâce à Vox Pop, j'ai pu, j'allais dire avoir mes entrées, j'ai pu être invité en tant que journaliste au MOVE, où j'étais d'abord intervenant et où ensuite, par la suite, Émilie Mazoyer, Jean Z et Laura Lichman m'ont pris sous leur aile et m'ont permis de progresser, de mieux, voilà, et de mieux travailler. Enfin, voilà, ils m'ont tout appris. Ils et elles m'ont tout appris. Donc voilà, c'est vraiment Vox Pop le déclencheur de tout ça. D'accord. J'ai quand même envie qu'on revienne sur le magazine des vieux. Ah, Non, parce que alors, t'es passé ouais. trop vite là-dessus, mais je suis sûr J'étais en qu'il y a des belles stage. anecdotes. Non, pas spécialement. En fait, j'étais en stage là-bas et en fait, Pleine Vie à l'époque n'avait pas de site internet et mon boulot était en gros de récupérer sur des vieilles disquettes ou des vieux CD différents articles et de les remettre en forme pour leur site internet à venir. Ok. Voilà. Sauf que en vrai, je devais avoir 20 ans, je passais mon temps à sortir, je venais d'arriver sur Paris parce que pour le coup, j'ai grandi à Rouen, donc vraiment, je découvrais la vie nocturne. Je m'endormais sur mon clavier à 16 heures. C'était génial. C'est une super, su vraiment super époque de ma vie. Cherchez pas des articles à moi dans des vieux numéros de Pleine Vie, il n'y en a pas. Je me contentais juste de faire de la mise en page et de la mise en forme. Mais en fait, l'équipe était super. J'ai rencontré une nana qui s'appelle toujours Agathe Maillère, que j'embrasse d'ailleurs. Je ne sais pas si elle nous regarde ou nous écoute, mais qui m'a appris les ficelles, certaines ficelles du métier. Donc non, non, c'était vraiment très cool. Je dis ça en rigolant parce que c'est improbable. Mais et j'ai toujours ma brosse à dents le matin et toujours dans mon petit mug Pleine Vie que j'avais embarqué en partant. Génial. Tu Super l'as beaucoup. la Bretagne? Bah non, tu vas pas peut-être en Bretagne Non, elle est à Paris. Là, je suis dans ma maison en Bretagne. Elle est à Paris. Je tiens à saluer Toto qui vient d'arriver, Toto de Canard PC qui s'est Salut. abonné en plus. Et d'ailleurs, si vous voulez féliciter Toto pour la nouvelle couverture qui fait peau neuve, profitez-en, il est dans le chat. Alors, du coup, on parlait de Vox Pop. Ouais. Attends, mince, j'ai perdu ma page. Hop, je vais la Ah. réouvrir. Hop. Hop. En fait, alors, ça va pas être dans l'ordre. Mais tu es aussi passé par Technicart. Ouais, j'ai écrit, ouais. J'ai un petit peu écrit pour Technicart pendant un an ou deux, je crois. Ah ouais, c'était en quelle année ça? Aucune idée. Technicart? Aucune idée. Aucune idée. J'ai envie de dire 2014, peut-être Ok. 2013, Ok. mais je sais pas. En fait, tout me paraît être il y a 10 ans. Mais voilà. Non, Technicart, j'ai un peu écrit. J'ai un petit peu écrit là-bas et j'étais très admiratif d'une de leurs plumes qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, mais qui écrit plus pour eux, Benoît Sabatier, qui est un journaliste et un écrivain que je respecte énormément et qui fait partie de ceux qui, j'avoue avoir été volontiers avoir été extrêmement chanceux, c'est-à-dire que j'ai toujours rencontré des gens qui se disaient, tiens, peut-être qu'il sait pas écrire, mais il a l'air sympa et surtout il a l'air d'avoir envie. Et Benoît Sabatier, je citais Émilie Mazoyer et Jean Z, mais Benoît Sabatier en faisait partie également. D'accord. J'ai retracé ton parcours journaliste écrit. Ça va être plus Ouais. simple. Et après, je vais dire d'autres trucs. Parce que là, t'écris bah, du coup actuellement pour Rokirama. Absolument. Rookirama, toujours depuis quasiment 10 ans, pour le coup. Waouh. Eh ben, Ouais. déjà 10 ans.
D'ailleurs, je salue Hélène Ripley qui écrit également pour Rokirama. Qu'est-ce que tu fais à Rokirama? Ça fait 10 ans. Oh là là là. Donc, t'as commencé en 2011, Rokirama. Ouais. En fait, je dis 10 ans, peut-être moins, peut-être. Non, c'est facile. Mon premier article pour Rokirama, c'était sur Random Access Memories que j'avais pu écouter en avant-première, alors que eux, non. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, Random Access Memories, c'est 2013. Plutôt 8 ans. Et en fait, qu'est-ce que je fais chez Rokirama? Je fais plein de trucs. Bah, j'écris donc, du coup, régulièrement des articles dans le magazine. J'ai écrit deux livres aussi pour eux, un sur Jurassic Park et un sur Michael Jackson. J'ai fait des documentaires. J'anime un podcast qui s'appelle Audio Vidéo Filmo en partenariat donc Rokirama Tsugi Radio. Je fais du développement aussi pour eux, c'est-à-dire que faire du développement, c'est-à-dire avoir des idées, les mettre en forme et les proposer et les voir très souvent finir dans le dossier drive des projets qui n'ont pas trouvé preneur, mais c'est le jeu. Et puis c'est une petite famille Rokirama, hein, donc. Il y a combien de personnes à Rokirama qui travaillent pour Rokirama? Ah, c'est un peu compliqué à dire parce qu'en fait, il y a les personnes qui vont tous les jours au bureau. Le bureau, il est à Lyon. Donc moi, j'en fais pas partie. Moi, je fais partie des pigistes. J'ai pas un chèque mensuel qui tombe de Rokirama. C'est une petite équipe de, on va dire, 15 personnes. Et après, faut ajouter les pigistes plus ou moins réguliers. Tu parles de documentaire, du coup, vous faites du contenu vidéo avec Rokirama? Ouais. Moi, j'ai fait plusieurs docs sur les Grammy Awards. J'ai fait un doc sur la saga Ocean's 11 pour Canal+. J'avais animé une soirée Grammy Awards également sur Série Club. J'avais collaboré à un doc sur Kubrick. Il y a plein de trucs. Je vous encourage d'ailleurs à suivre l'actu de Rokirama sur Twitter parce qu'il y a, voilà, il y avait un, on avait fait un super doc. J'avais pas bossé dessus, mais sur Mad Max, pour Canal, enfin, voilà. Non, il y a la partie magazine et il y a la partie TV. Ok. Et chez Rokirama, il y a eu Network aussi. C'était quand? C'était en 2014, ça? Ou je dis n'importe quoi? J'ai envie de te dire que c'était il y a 10 ans. non, je sais pas, ça devait être il y a 5-6 ans. Je pense avoir le droit de dire aujourd'hui que la pire vente de tous les magazines et tous les livres qui ont été fabriqués chez Rokirama, la pire vente est Network, qui était voulu comme un... Alors, j'étais le red chef en plus, donc voilà, ça, c'est mon petit bonheur, qui devait être consacré à la télévision. Et voilà, ça n'a pas marché. Alors, on me demande parfois encore s'il y aura une suite à Network. Ce qui ne cessera jamais de me surprendre, parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas de suite vu que tu ne l'as pas acheté. Mais après, c'est aussi, je dis ça en blaguant, et ce n'est pas grave, mais c'est aussi la beauté de travailler pour Rokirama, c'est qu'on a quand même une liberté qui nous permet, si on a une idée qui nous plaît, de pouvoir la lancer si on le veut, quoi. T'as également, alors là c'était pour la partie magazine, est-ce que j'ai loupé des magazines ou des dans la partie écrite ou Il y a Tsugi pour qui j'ai beaucoup écrit dans le passé, plus trop maintenant, et un peu Libération aussi. D'accord. Et après, il y a des petites piges à droite à gauche. On reparlera de Tsugi, mais de Tsugi Radio dans quelques minutes. T'as également travaillé pour France 4 du coup, avec Monte Leçon. Absolument. Monte-le-son, ça n'existe plus. Non, si, ça existe. Maintenant, c'est basique. Monte-le-son, ça n'existe plus. C'est basique. Semble... C'est basique. Ouais, parce que j'étais. Charline Roux, avec qui je co-animais Popcorn, était également dans Monte-le-son. Et du coup, elle m'avait très gentiment accolé à l'émission et elle me les avait fait rencontrer. Il se trouve également que mon ex travaillait pour cette émission. Du coup, ouais, j'avais pu faire un documentaire pour eux, un documentaire dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on en a parlé. C'est mon premier doc. Waouh, donc le doc s'est passé à Nantes. Entre autres, ouais. C'était il y a 10 ans. Waouh. T'as travaillé pour C8 aussi en tant que journaliste? Ouais, un mois et demi. Mais j'ai toutes les infos.
Un mois et demi dans l'émission Camille Combal, il en pense quoi, Camille? Et je suis pas resté, ouais, je suis pas resté très longtemps. C'était pas pour moi. Ah oui, c'est toi qui as décidé de partir. Parce ouais, que... ouais, d'accord, d'accord. Ils étaient très contents de me voir partir. Non, non, c'était pas pour moi. J'étais pas à mon aise. J'ai rencontré plein de chouettes personnes là-bas, mais c'était vraiment pas mon univers. Et j'y étais allé parce que je voulais goûter justement à cet univers. C'est-à-dire l'univers de la déconne, l'univers aussi. Bah, j'avais envie. Voilà, on savait que l'émission allait plutôt cartonner, donc. J'avais envie de goûter aussi un petit peu à ce succès, hein, on va le dire. Et en fait, j'y étais allé, je l'ai su par la suite, mais j'y étais allé pour tout un tas de mauvaises raisons. Aucun regret parce que du coup, maintenant, je sais que ces raisons étaient mauvaises et du coup, je ne le referai plus. Mais voilà, je le disais en tout début d'émission, l'un des grands avantages de mon métier, c'est qu'il n'y a aucune stabilité, on court après l'argent en permanence et tout, mais... il y a quand même la possibilité du coup de sortir des sentiers battus, d'expérimenter des choses. Et voilà, Hanouna, je dis Hanouna parce que c'était sa boîte de prod, Hanouna faisait partie des expériences pas concluantes, mais c'était une expérience malgré tout. D'accord. Autre expérience, chez OCS, autant on a parlé tout à l'heure parce qu'on parlait des anecdotes du Festival de Cannes. Ouais. Ça, c'est, du coup, Cannes, c'était pour OCS. Qu'est-ce que tu faisais à OCS? Je faisais des interviews et du montage pour des émissions consacrées au cinéma et aux séries. J'ai fait un an là-bas. J'ai rencontré l'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Thibaut Gomez-Léal, que j'embrasse. Et j'ai fait qu'un an parce que j'avais fait le tour. En gros, en fait, okay. Voilà. Un an, c'est court. L'un des trucs chiants du métier, c'est aussi parfois de changer de boulot tous les ans. Moi, pour le coup, voilà, ça me convenait. Et donc, voilà, j'ai fait qu'un an là-bas. Mais du coup, j'ai vécu quand même des moments. Ouais, j'ai rencontré Adam Driver, Terry Gilliam, Ryan Johnson. Voilà, c'était cool. C'est fou. Tu vois, là j'ai pas encore fini tout ton parcours et déjà je trouve ça fou. Et avant de continuer, je me pose une question. Après, je suis vieux, j'ai 35 ans donc voilà. Ça explique ça, 35 ans et j'essaye de faire ce métier depuis 15 ans donc enfin, je suis plus vieux que toi, mon Julien. Oui, bien sûr. Mais t'as 10 ans plus que moi. Mais j'ai une question. Ouais. Nico Pratt. Vas-y. Alors, souvent quand. Alors moi, je suis assez décalé dans les horaires, je me couche plutôt tard, et sur Twitter, je vois souvent des emojis café qui commencent souvent vers 2h du matin, des fois c'est 3, des fois c'est 4, mais des fois c'est vraiment 2h du matin, ouais. Donc je me dis, ah, c'est le début de journée pour Nico, parce que ouais. Ça m'étonnerait que ce soit la fin de journée. Non. 2h du matin, mais pourquoi? L'insomnie est la réponse, je suis insomniaque. Ah, ok. Je suis insomniaque, je ne l'ai pas toujours été, je suis insomniaque depuis 6 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je dors 4 heures par nuit, à peu près, environ. Parfois plus et parfois moins. Et du coup, pendant un moment, je luttais un peu contre ça, c'est-à-dire que je me retournais dans le lit, j'essayais de me rendormir. Et en fait, j'ai arrêté de lutter parce qu'en fait, dès que j'ouvre les yeux, et donc j'ouvre les yeux vers 2h, 3h, je commence un petit peu à cogiter et impossible de me rendormir. Et du coup, je vais dans le salon en essayant de ne pas réveiller ma femme et Ripley, parce que Ripley dort avec nous. quand je vous dis que j'autorise tout à ce chien, voilà. Et du coup, je vais dans le salon et je regarde des films ou des séries. Et je travaille jamais. Je ne travaille pas au milieu de la nuit. Mais en même temps, on me pose souvent la question, mais t'es pas fatigué voilà. Alors non, je suis pas fatigué, mon corps n'a pas besoin de plus. Et en fait, c'est même des moments que je chéris assez parce que c'est un moment où vraiment tout est calme. C'est du temps pour moi en fait. Et non seulement ça m'est plutôt utile dans mon métier de pouvoir regarder 4 films par jour, mais en plus, c'est un bonheur quoi, c'est un plaisir. Donc voilà, et si je suis fatigué, je fais une sieste au bureau.
Je suis devenu très bon avant, je savais pas faire la sieste. Je dormais 4 heures et je me réveillais encore plus éclaté. Mais maintenant, je suis devenu. Maintenant, j'y arrive plutôt pas mal. C'est quoi la technique? Et d'ailleurs, dites-moi dans alors, la chat si c'est une technique pour la sieste. Mais... Ouais, alors je vais vous la donner la technique parce que j'ai mis du temps à la comprendre. En fait, j'avais un collègue quand j'ai travaillé chez Canal+, je travaillais pour une émission qui s'appelait Le Tube, et je me souviens de ce collègue Sylvain Thierry qui venait dans la salle de montage, qui prenait un tabouret, qui se mettait dos au mur et qui me disait « t'inquiète, je dors 10 minutes ». Alors que moi, j'étais en train de faire du montage. Hein. Donc, je me disais « ok, comment il fait ?» Le secret, c'est le souffle. Il faut ralentir le souffle. En gros, il faut se poser, il faut ralentir son souffle au maximum. Voilà. Ok. Et voilà, et ça marche comme ça. Et il faut évidemment mettre un réveil, parce que l'idée, c'est de... Non mais, une sieste, c'est... Là, je lis Snikt qui dit « je suis incapable de faire une sieste ». En fait, pire que ne pas pouvoir faire la sieste, c'est faire une sieste de 4 heures. Parce que alors là, c'est non seulement t'es crevé, mais en plus t'es jet lag. C'est ce que je faisais à un moment. Quand je travaillais en matinale radio, ouais, pendant 3 ans, du coup, je faisais le 7h-10h et le 17h-19h tous les jours. Putain. Et je me couchais tard. Et du coup, je faisais le 7h-10h, je retravaillais pour mon émission de 17h, et à midi, je rentrais, je mangeais et je dormais jusqu'à 16h. Et en c'était même plus en fait une sieste. Je dormais 4-5 heures. C'est comme si je faisais l'autre moitié de ma nuit, quoi. Et j'étais... Mais tu sais qu'il y a... Alors, il y a Cardinal qui dit « si c'était si simple ». Alors, je suis d'accord. Moi, ça marche pour moi. Donc, voilà, c'est en effet... J'admets volontiers que ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Et pour en revenir à ce que tu disais, Jules, il y a un livre qui est paru récemment, dont j'ai oublié le titre, mais qui raconte l'histoire du sommeil. Et en fait, qui raconte que il y a quelques siècles, en fait, il était plutôt commun. En fait, la nuit se faisait en deux temps. C'est-à-dire que les gens allaient se coucher, dormaient 4 heures, se réveillaient, buvaient éventuellement un petit verre de lait ou faisaient un bébé ou que sais-je encore, et ensuite faisaient leur deuxième partie de nuit. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est pas si bête ce que je faisais en fait. Non, c'est pas si bête ce que tu faisais. Il y a Mandubian, je sais pas si je le dis bien, qui dit c'est un genre de compétence innée la sieste. Et ben non, pas du tout, parce que je l'avais pas au début et voilà ce truc du souffle. Une fois que je l'ai capté, j'ai réussi. Je me pose, je dors 15 minutes n'importe où, mon cerveau a un réveil auto. Ouais, alors moi j'ai pas de réveil automatique. Malheureusement. Moi mon cerveau n'a pas de réveil, donc faut que je mette un réveil. Et il y a Toto qui dit 20 minutes dans l'heure du midi sur le canapé de la rédac de Canard PC, ça m'a sauvé des milliers de fois. Ouais, alors quand je suis dans ma salle de montage chez TF1, j'essaye de. Il y a des canapés, je privilégie en général plutôt le fauteuil. C'est-à-dire que le risque d'être allongé dans un canapé, c'est déjà le risque que la sieste dure trop longtemps. Et le risque évident, c'est de parler, de baver et devant tous les collègues. Et ça, je refuse de prendre ce risque. Mais non, mais à TF1, il y a, je vois un peu comment c'est foutu ou c'est LC. Mais il y a des sortes de salles avec rideaux où on peut se reposer avec des canapés, non? Où il n'y a pas des salles individuelles où on peut faire des siestes ou... Moi quand je dis le fameux risque baveux, ouais, le risque baveux. Non, quand je dis à TF1, moi je suis dans une tour à côté de TF1 qui en fait est composée uniquement de salles de montage. C'est une tour de post-production. Je m'endors n'importe où très rapidement, même au volant. Bah, c'est très bien, tant mieux pour toi. Prudence quand même, hein. Mets un réveil. Mais oui, tu parles de TF1, on n'en a pas parlé. Tu travailles encore pour 50 minutes Inside? Ouais, absolument. J'ai même signé pour une troisième saison. Félicitations. C'est quasiment le job que j'ai gardé le plus longtemps, du coup. Non, c'est cool. Je fais deux sujets dans 50 minutes Inside, donc le samedi, qui est le Planet People et la star de la semaine. En gros, remplaces Christophe Bogan, c'est ça? Non, pas vraiment. Christophe Bogan, c'était un petit peu différent. Okay. Non, pas du tout. En fait, c'est des sujets. Alors, c'est un peu. Ça a surpris certains potes que j'aille chez TF1. Et en fait, il y a un truc assez cool. Alors, déjà, l'équipe est mortelle. Ensuite, je suis à mi-temps chez TF1, ce qui me permet du coup de concrétiser des projets comme Oasis ou La Revanche des Ploucs à côté. Et en plus.
C'est du people, mais c'est pas sale. C'est-à-dire que on rigole de la matière people, on déconne, on fait pas les fonds de tiroir. J'aime bien dire que chez Rokarama, je parle de Kanye West et chez TF1, je parle de Kim Kardashian. Finalement, c'est deux faces d'une même pièce. Et je suis le premier à considérer que la matière people, voilà, moi je l'y vois toutes les semaines. Je trouve pas ça spécialement honteux. Et finalement, ça dit aussi quelque chose de nous. Donc voilà. Donc je suis très content, je m'amuse beaucoup là-bas. Et en plus, voilà, mon boulot, c'est de traîner sur l'Instagram de The Rock et de Boutoulis et de Nabila. Voilà, je vais pas à l'usine, quoi. Donc c'est toutes les semaines, c'est ça ? Tous les samedis à 17h50 sur TF1, présenté par Nico Saliagas. Et j'avoue que entendre Nico Saliagas au tout début d'émission dire mon nom, ça fait 2 ans et je m'en lasse vraiment pas. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai bugué. Déjà, j'ai bugué, j'arrivais pas. Alors, pour être honnête, j'arrivais déjà pas à associer les deux. Enfin, Nico Pratt et Nikos. Au tout début, maintenant c'est bon, mais au début, ouais. J'avoue que j'avais bugué et waouh. Non, mais tu vois, ça fait partie des. Encore une fois, on en revient au fait de pouvoir expérimenter, ça fait partie des choses cool. C'est-à-dire que sur le papier, aller chez OCS et faire des interviews toute la journée de réalisateurs et d'acteurs, c'était mon destin et finalement, je suis resté qu'un an. Et sur le papier, aller faire du people dans 50 Minutes Inside, les gens ont dit ça te ressemble pas et en fait, je vais faire une troisième année et si je pouvais faire le double, j'en serais ravi. Donc voilà, on ne sait pas, c'est encore une fois, c'est la beauté de ce métier, c'est d'expérimenter. En tout cas, ouais, maintenant je regarde le samedi pour entendre Nikos qui dit « Merci Sandrine Quétier, maintenant on va retrouver Planet People ». Non, il n'y a plus Sandrine Quétier, mais maintenant il y a des invités. Mais je suis pas à jour. Non, mais il dit Planet People, Nico Pratt. C'est assez rigolo. et parfois, il y a des. Genre, tu vois, il y avait c'était Manu Payet qui était invité. Du coup, Manu Payet, que je connais un petit peu, du coup, fait des blagues sur moi. Enfin, mes parents sont ravis à chaque fois. Ma grand-mère, elle en revient pas. Et moi non plus, je dois dire. Mais oui, t'avais mis l'extra sur ton Twitter de Manu Payet qui fait c'est absolument. De Nico Pratt. c'est flatteur. Il y a Ex Nihilo qui vient de s'abonner pour son 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Cœur avec les doigts, je sais toujours pas le faire, mais je tente quand même. Ah, je crois que je le fais bien là. Hop, cœur sur toi. Là, tu le fais trop bien, toi. J'ai pas trop mal à le faire. Ouais. Donc là, c'était pour la partie télé. Une à qui on en parlait. Et quand on avait parlé de toi avec Benjamin Valbon, Flonflon Musique, il y en a plein qui ont parlé du move quand on a prononcé ton nom. Moi, je me souviens du coup, tu as fait la radio au move. Je me souviens de Glory Box. Du coup, c'était une émission d'une heure, c'est ça, qui passait tous les dimanches, c'est ça? On a pas mal changé de jour, mais dans mon souvenir, c'était le samedi, mais c'était peut-être le dimanche. C'était le week-end. Ouais. Alors, du coup, tu te concentrais sur un artiste avec Glory Box. En fait, le principe de Glory Box, c'était de laisser pendant une heure carte blanche à un artiste ou un groupe de la jeune scène française. Donc, c'était la première radio de Granville, de Fauve. On a reçu plein de monde. On a reçu Charles Baptiste. On a reçu Rover, c'était assez cool. Et surtout, ça collait à une époque où il y avait une vraie effervescence pop, quoi. Donc, c'était assez chouette de pouvoir modestement accompagner ces artistes. Et il y avait à la fois, c'était cool parce que ils étaient jeunes. Donc, finalement, la parole était encore assez libre. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'était assez touchant, finalement, de les voir devenir grands, entre guillemets, presque en direct. C'était vraiment une chouette émission à faire. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais la faire sur la pop musique, j'aurais plus de mal parce que, on va dire que l'effervescence est plus du côté du rap. C'était vraiment, vraiment très, très cool. En Glory Box en hommage à Portiched. Absolument. J'imagine. Absolument. Je crois que c'est pas moi qui avais trouvé le nom. Je crois que c'était mon réalisateur Mehdi. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui avait trouvé le nom. Ok.
C'était une chouette émission et d'ailleurs je me suis renseigné, on peut retrouver des extraits de l'émission sur des vieilles pages de podcast qui regroupaient les émissions. Un peu comme Popcorn, j'ai retrouvé des émissions entières de Popcorn sur Internet. Alors je sais pas si c'est légal ou pas, en tout cas je sais pas. Mais tu me l'apprends. Mais voilà, j'ai retrouvé ça sur Internet parce que du coup là on va parler de Popcorn également. Voilà, je me souviens quand j'écoutais ça, c'était trop cool. C'était ça a duré plusieurs années Popcorn. C'était... Alors ça a pas duré si longtemps que ça. Je crois que ça a duré 3 ans. Ça avait commencé sous une certaine forme avec Élodie Font et Laurent Sénéchal. C'était un trio qui avait été imaginé par le directeur d'antenne à l'époque. Trio qui avait pas vraiment fonctionné. Je me sentais pas à l'aise, on n'était pas sur la même longueur d'onde, et du coup en deuxième saison j'ai finalement co-animé avec j'allais dire Charline Gals, parce que son pseudo sur Twitter c'est Mademoiselle Gals, mais c'est Charline Roux qui aujourd'hui co-anime avec Antoine Decaune Pop sur France Inter. Et donc voilà, on a co-animé. Je pensais que vous parliez de l'émission de Domingo. Non, j'ai jamais travaillé sur l'émission de Domingo. Non, c'était une émission qui s'appelait Popcorn sur le Move. Ça a dû durer 2 ans. Popcorn de Domingo. Ah ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. Donc 2 ans, et c'était une quotidienne. Ah, c'était tous les jours, c'était du lundi au vendredi, ouais. Avec plein d'intervenants à chaque fois. Ouais, on a reçu du beau monde. Ouais, il y avait Gunter Love, Sylvain Kimmel. Ouais, qui faisait une chronique métal. C'était, je pense, la chronique la plus bordélique possible. il faisait absolument n'importe quoi, il faisait ce qu'il voulait. Parfois, dans sa chronique métal, il passait LCD Sound System, ce qui n'a aucun sens, on est bien d'accord. Mais non, c'était très très cool. Vraiment, on a reçu. Ouais, il y avait Sylvain Kimmen qui était chroniqueur, l'acteur Antoine Gouy qui faisait une chronique également, on a reçu Clémence Poésie, Nora Hamzaoui, on a reçu Joss Whedon, Daphne Burki est venue aussi, enfin, genre, on avait tous les jours des invités, donc c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Ça devait être fou pour une quotidienne de trouver des invités à chaque fois. Il y avait une grande équipe à Popcorn pour. Alors, il n'y avait pas une grande équipe, mais on travaillait avec une grande dame qui s'appelle Alexia Piton, qui en fait, c'est elle qui nous trouvait des invités. Quoi. On lui devait vraiment tout. Hein. C'est pas moi qui décrochais mon téléphone. Hein. Ok. Non, parce que je me demande. Enfin, ça devait être fou quand même, une quotidienne. Donc, c'était une heure et demie. C'était une heure et demie. Une heure et demie, ouais, une heure et demie. Wow. Du lundi au vendredi, du coup. Ouais. Waouh. Et ouais, je me souviens en faisant mes petites recherches, je me souviens, il y avait des. J'ai mis Popcorn Nico Pratt sur Twitter. Et le premier truc d'où je suis tombé, c'est Pierre Ninet qui faisait un hommage à la dernière de Popcorn parce qu'il était invité avec des. Ouais, alors non, c'est Charline Roux qui avait eu l'idée et c'est peut-être l'une de nos meilleures émissions. C'était toute l'équipe de casting sur Canal+, donc les petites pastilles avec Pierre Ninet, donc, François. Il y avait Igor. Ouais, il y a Igor Gottman et tout. On les avait invités, on leur avait laissé carte blanche. Et en gros, pendant une heure et demie, c'était Pierre Ninet aux côtés d'Hugo Gélin, le réalisateur qui animait l'émission. C'était fou, c'était complètement fou. Pierre Ninet, que je recroise de temps en temps, et du coup, à chaque fois, on reparle que de ça parce que c'était trop marrant. Et surtout, ça témoignait aussi de l'incroyable liberté qu'on avait, c'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on voulait, quoi. C'était ouf, c'était ouf. Peut-être que parfois, on aurait dû avoir plus de restrictions. Mais non, c'était vraiment qu'est-ce qu'elle fout, pardon. Elle mange son caca. Si tu veux intervenir, super. N'hésite pas. À un moment, n'hésite pas si tu veux intervenir. Si elle fait une connerie, n'hésite pas. Mon Dieu. Non, bah écoute, c'est trop tard. Je crois que c'est bien entamé. Je vais éviter de regarder en plus parce que c'est rapide. Voilà. Bref, c'était une chouette époque et professionnellement, je pense que. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais j'avais vraiment, j'allais dire, j'ai jamais été aussi heureux, mais en fait, je bossais tous les jours avec mes meilleurs potes. Ce que je fais encore un petit peu aujourd'hui avec le bouquin, mais c'est. C'était cool. C'était très, très cool. Je suis pas nostalgique parce que je pense qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui et que ça m'amuserait moins, mais. Voilà, j'avais même pas 30 ans et j'étais sur une radio nationale tous les jours pendant une heure et demie avec mes potes. On pouvait difficilement faire mieux. C'est fou, à chaque fois quand on parle du Move, on parle de la liberté. Et c'était une radio de jeunes, il y avait plein de jeunes qui ont commencé au Move. Je pense à McFly et Carlito qui ont commencé avec une émission sur le métal, ils avaient à peine 18 ans, quoi.
C'est fou. Ouais. C'est fou. Peut-être même pas légal. Ouais. Mais c'était. En fait, il y avait. Pour le dire très honnêtement, le Move avait certains problèmes. J'adorais écouter l'émission Popcorn en revenant du boulot. Merci beaucoup, Pixel. Merci. Le Move avait des problèmes d'audience et le Move, au sein du groupe Radio France, était un petit peu, pas à l'abandon, mais on nous regardait un petit peu de haut comme le vilain petit canard, genre comme la radio qui marchait pas. Mais du coup, le Move faisait un petit peu office d'incubateur. C'est-à-dire qu'il y avait des profils extrêmement variés. Il y avait Christophe Crenel, il y avait Élodie Font, Laurent Sénéchal, il y avait Francis Vielle, il y avait Émilie Mazoyer, bien évidemment, Laura Lichman. Évidemment, il y avait Laura Lichman. Et en fait, finalement, est-ce que ces émissions qu'on faisait, on aurait pu les faire ailleurs telles quelles? Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et en tout cas, la dernière de Popcorn, c'était le 29 août 2014. Popcorn s'arrêtait quand le Move s'est transformé en Move. Ouais. C'était ça. Je suis parti trois jours avant, je crois. Ah ouais, d'accord. Je suis allé le plus loin possible. Donc ouais, t'écoutes pas de rap, toi? Tu t'as parlé rapidement. J'écoute beaucoup de rap. Je suis pas un grand connaisseur, mais j'en écoute beaucoup. Après. Si ta question, c'est pourquoi je ne suis pas resté sur Move, c'est que de toute façon, je n'avais pas du tout ma place dans cette nouvelle grille. Et on ne m'a pas fait de place et je n'ai pas demandé de place. Et puis, ça faisait 6 ans que j'étais au Move. Donc, finalement, j'étais triste. Mais, on n'a pas qu'une vie dans une vie, quoi. C'est vrai. Tu as refait de la radio. Avant, on va parler de Tsugi Radio bientôt. Entre le Move et Tsugi Radio, tu avais refait de la radio? Non. Non? Ah ouais. Non, parce qu'à ce moment-là, je considérais à tort, mais je considérais un petit peu avoir fait le tour de la radio, et je commençais à faire de plus en plus de télévision, et j'étais heureux justement de... Alors ça s'est pas fait sans douleur, hein. Mon année au tube sur Canal, c'était compliqué, je faisais des sujets pour On n'est plus des pigeons aussi sur France 4. Ah oui, c'est vrai. Et j'apprenais en direct, et en fait, comme je commençais à être un petit peu modestement connu dans le métier, les gens se sont dit tiens, on va le mettre à la télé, sauf que en fait c'était pas la même méthode de fabrication, donc ça a été parfois compliqué, et du coup voilà, je me disais tiens, la radio j'ai fait, maintenant je vais faire de la télé, et en fait, chaque média a ses qualités et ses défauts. Et du coup, non, je suis revenu à la radio uniquement avec Tsugi Radio. Et Tsugi Radio, qui a comme point commun avec le Move, c'est que je fais ce que je veux. Ouais, on va en reparler de Tsugi dans très peu de temps et de l'apéro de Tsugi. Tu parlais du tube. Moi, je me souviens de cette émission. C'était une de mes émissions préférées à l'époque. Je regardais chaque saison. Ouais. Et tu as dit que c'était compliqué au tube. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans révéler forcément les coulisses. Alors déjà, j'étais pas bon. J'avais tout un métier encore à apprendre et je savais pas vraiment. J'avais fait un doc, j'avais fait des sujets sur. Non, on n'est plus des pigeons, mais finalement, avec une, je savais, j'avais encore tout à apprendre. Et du coup, je me retrouve dans cette émission où j'avais été embauché par une animatrice qui finalement n'était plus aux commandes. C'est-à-dire que j'avais été embauché par Daphné Burki, qui par la suite avait été remplacée par Ophélie Meunier. Et donc, en fait, Daphné Burki avait vu quelque chose en moi que ne voyaient plus forcément mes nouveaux Red Chefs. Et j'étais pas débrouillard. Du coup, ils se sont rendus compte dès mon premier sujet que je savais pas où j'allais, que je savais pas ce que je faisais. Et ils savaient pas quoi faire de moi. Et en fait, petit à petit, très laborieusement, j'ai trouvé ma place dans cette émission. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelait les tubes d'avance, c'est-à-dire des gens un petit peu à la marge. Donc, j'ai fait un sujet sur Nanarland, j'ai fait un sujet sur les overclockers, c'est les gens qui boostent leur PC. J'ai fait un sujet sur Karim Debbache. Et là, pour le coup, j'étais très heureux. Mais en fait, au bout d'un an, ils m'ont dit « Écoute, c'est très bien, tes sujets étaient très bien, mais on a besoin de quelqu'un qui peut tout faire. » Et je ne savais pas tout faire et j'avais pas spécialement envie de tout faire. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment d'intérêt à aller faire des interviews de Jean-Jacques Bourdin. Et mon premier sujet, c'était Jean-Jacques Bourdin. J'étais pas à ma place, mais j'ai pas abandonné. Déjà, j'ai rencontré ma future femme là-bas, donc...
donc tout roule. Et j'ai appris, en fait. J'ai appris, mais c'était dur. Enfin, j'allais au boulot tous les matins en me disant que j'étais qu'une merde, quoi. Ah ouais, ok. Donc ça a duré un an au tube. Un an, ouais. Une saison. Et après, du coup, t'as fait... Donc on n'est pas que des pigeons. C'était Sébastien Abdelhami déjà à l'époque ou... Non, c'était... Ouais, Sébastien, que j'embrasse, que j'adore. Ouais, j'ai fait quelques sujets pour eux pendant 2 ans, je crois. Mmh. Ah ouais, qui sont sur YouTube encore. Je crois que quand on tape vinyle ou prix du vinyle sur YouTube, c'est un de mes sujets qui tombe. Donc tu faisais aussi un emmerdeur là-bas. Moi je faisais pas l'emmerdeur. C'était que ça. Ok. J'ai fait un truc avec Sébastien sur le jeu vidéo, mais je serais bien incapable de faire l'emmerdeur. J'ai qu'une seule trouille, c'est de déranger les gens. Donc. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie que c'est plus simple quand on vient de la radio de faire de la télé plutôt que l'inverse, quand on fait de la télé, c'est plus compliqué de faire de la radio. J'entends souvent cette théorie de gens de la radio, justement. Personnellement. La radio m'a appris à être à l'aise avec ma voix, mais j'ai pas quand je suis parti de la radio pour faire de la télé, j'avais tout à apprendre. C'est pas la même écriture, c'est pas la même démarche, c'est pas le même ton, c'est pas le même montage. Enfin, tout est différent. Du coup, je ne pense pas, et surtout, en radio, j'ai vu des gens de télé venir en radio en se disant c'est bon, je sais faire, et non, c'est pas pareil. Ouais. Donc, je pense pas que l'un facilite l'autre. Non, pas du tout. Ok. Parce que c'est une théorie, je suis pas d'accord du tout, mais j'en ai déjà entendu parler. Enfin, j'entends souvent des gens me dire, ouais, les gens de télé qui passent en radio, c'est pas possible, parce que c'est un autre métier. Ouais, c'est un autre métier. Moi, j'ai vu, alors je citerai pas le nom, mais j'ai vu des gens de télé débarquer pour faire des émissions, pas savoir forcément tenir un timing, le rouge micro, le rouge micro, pour info, c'est le nerf de la guerre, c'est le moment où où d'un seul coup, t'es à l'antenne, et nécessairement, t'as cette petite montée de stress, qui maintenant, que depuis le temps, j'arrive très bien à gérer, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Là, j'avais animé un plateau sur Série Club, un truc assez ambitieux produit par Rokarama, où j'avais des chroniqueurs en plateau, ça durait 2 heures. J'avais un prompteur, une oreillette, une cravate, c'est vous dire. Et c'est pas du tout pareil. Il y a une gestuelle, il y a une... là, par exemple, face à vous, je vois ce que Nico dit quand on sait que le direct arrive. Ouais. Il y a une gestuelle, c'est-à-dire que là, si c'était uniquement de la radio, je serais pas pareil, je bougerais peut-être un petit peu moins. Je joue là, en fait, avec l'œil de la caméra. Alors, je joue pas, j'essaye de pas en faire des caisses. Mais c'est complètement différent. C'est comme le trac au théâtre. J'imagine que c'est comme le trac au théâtre, ouais. Mais au final, c'est un truc, chez Tsugi Radio, quand le générique arrive et que je vois l'ingé son monter les potards de... Bon, on n'a pas de rouge micro, mais je sais quand le micro est ouvert. Il y a toujours, encore, après tout ce temps, cette petite montée qui est... totalement gérable, c'est-à-dire que je suis plus en train de transpirer, mais il y a toujours ce petit nerf qui s'active, quoi. Et c'est cool. On va parler de Tsugi Radio. Ouais. Alors, j'ai un problème avec le temps. Ça a commencé en septembre 2019, c'est ça, Tsugi, l'émission. Non, Tsugi Radio à 5 ans. Enfin, ton émission, pardon. Ouais, Tsugi Radio à 5 ans et l'apéro de Tsugi, on vient de terminer la deuxième saison. Ok. On va déjà parler de Tsugi Radio. Donc Tsugi Radio, ça vient du magazine Tsugi. C'était créé donc il y a 5 ans par qui? C'est Antoine qui a créé Tsugi Radio? Ouais, ça a été fondé par Antoine Dabrowski, qui est un ancien de France Inter et collaborateur régulier de Tsugi. Et en fait, avec cette idée, c'était la musique venue d'ailleurs. On voulait proposer des playlists et des émissions qu'on n'entendait pas ailleurs. Et moi, pendant un certain temps, je faisais que des playlists le mardi avec juste des sélections toutes personnelles, et parce qu'on n'avait pas de studio encore. Et quand on a eu un studio, donc on a un très beau studio qui est situé à la Villette. Mashup Superstar, je crois que je te connais. Je crois que je connais Mashup Superstar. Ah ouais. Est-ce que ce serait pas Gaston? Non, c'est pas Gaston Kilo. Bref, dévoile-toi, ma chef superstar. Que faire contre le track apéro? Ouais, on comprend mieux le concept de l'émission. Et en fait, quand on a eu un,
quand on a eu un studio, Antoine m'a dit, voilà, imagine une émission. Et en fait, le concept d'apéro de Tsugi est venu assez facilement, déjà parce que j'adore l'apéro, ensuite parce que ça permettait de réunir des gens qui n'avaient pas forcément vocation à se réunir, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde, des musiciens, des anonymes, voilà, tout le monde peut venir, suffit d'en faire la demande. Et surtout, les gens viennent avec une bonne bouteille s'ils le souhaitent, mais surtout avec deux titres, avec deux, trois titres. Et en fait, double avantage, c'est que un, je n'ai pas à faire la programmation, ce sont les invités qui la font. Et surtout, ça permet un éclectisme absolument total, puisque non seulement je ne choisis pas les titres, mais en plus, je ne les écoute pas avant. Donc, c'est-à-dire que vous, les invités me donnent leur titre, je transmets au réalisateur et on découvre tout ça ensemble. Et donc, c'est un vrai apéro dans le sens de partage. C'est Gaston. T'avais raison. Ouais, évidemment. Et du coup, donc ça commence en septembre 2019. Ouais. Donc, les invités arrivent avec deux titres. La bouteille quand même, pour l'apéro, c'est important. Ouais, enfin, je précise qu'on a un frigo régulièrement plein. Hein. Les invités ne sont pas mis à la porte s'ils viennent les mains vides. Hein. Et c'est dans une super salle. Tu m'avais invité dans ton émission, d'ailleurs, c'était très gentil pour une des premières. C'est en octobre 2019, je crois. Ouais. C'est dans un très beau lieu à la Villette. Un studio à la Villette, c'est ouais. Super, c'est super bien situé. Ouais, on n'a pas de toilette, mais on a tout le reste. Non, c'est fou, c'est trop cool comme endroit. Ouais, c'est un endroit quand? Tsugi est co-gérant d'une salle qui s'appelle le Trabendo, qui est située à la Villette. Et en fait, dans la Villette, il y a des cubes rouges qu'on appelle des folies, dans lesquelles il y a soit des salles, soit des bars. Voilà. Et en fait, ce petit cube qui est à l'entrée de la Villette, du côté du musée de la science, là, était en fait destiné à être un truc d'orientation, une espèce de salle d'accueil pour les visiteurs. Et en fait, quand ça s'est libéré, on a sauté sur l'occasion. Enfin, je dis « on », c'est Antoine qui a sauté sur l'occasion pour en faire un studio. Donc, c'est l'apéro Tsugi. Il y avait la dernière de la saison, c'était mardi il y a une semaine, il me semble. Ouais, ouais. J'ai pas pu écouter, mais ça a l'air d'être assez fou. Tu m'avais dit, on devait faire les tests le lendemain, tu m'as dit, envoie-moi un SMS au cas où, parce que j'ai sûrement comaté. On a fait 7 heures de direct. Waouh, il y avait plein de gens, j'ai vu qu'il y avait Nicolas Hullmann. Il y a Nicolas Hullmann qui venait d'être papa et qui sortait de la maternité et qui est venu quand même. Il y avait Joe Hume, il y avait Yann Bertrand, il y avait Pharaon de Winter, il y avait Wax, il y avait Carole Boinet, Lionel Morel, enfin voilà, c'était vraiment... il y a Thibaut Smithy qui vient de nous rejoindre. Je te parlais tout à l'heure d'un de mes meilleurs potes que j'ai rencontré chez OCS, et c'est complètement lui. Ah bah salut. Salut Thibaut. Bienvenue. On a parlé de toi. non, et ouais, Thibaut qui pour le coup connaît mieux Twitch que moi. Et non, c'était cool. 7 heures de direct, et ensuite il y a eu des DJ sets. J'ai même mixé, et Dieu sait que je sais pas mixer, mais je me suis dit, allez go, on fait les débiles avec mon pote Alexandre Béguin. Et voilà, c'était chouette. Et c'est en réécoute. Enfin, vous allez peut-être pas vous farcir les 7 heures, mais voilà. En tout cas, si on veut réécouter général, c'est partout. Spotify, SoundCloud, ouais, c'est partout. Et qui arrive donc pour une troisième saison en septembre. Ouais, il n'y a aucun suspense. Troisième saison, exactement. Super. Peut-être la dernière d'ailleurs, j'en sais rien. On en fera peut-être l'ultime saison, je ne sais pas encore. Waouh, et ben rendez-vous donc en septembre. Ça, exactement. Octobre, fin août, je ne sais pas. Ouais, septembre, octobre. Tsugi Apéro saison 3, saison 3, deuxième saison également pour Audio, Vidéo, Filmo, donc l'émission de cinéma. Et voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'audio, vidéo, filmo. Donc ça, c'est aussi le vendredi à 17h. C'est en partenariat avec Rokirama. C'est sur Tsugi Radio. Et en gros, je reçois des journalistes, acteurs, réalisateurs, voilà, pour parler de bandes originales, tout simplement. Donc c'est tous les vendredis. À 17h, ouais. À 6h. Et le vendredi, enfin, c'est trois fois par mois. Et quand on reprendra à la rentrée, et une fois par mois, le vendredi à 17h, il y a Année Lumière, qui est justement le podcast de Thibaut. J'en profite pour dire qu'il est l'un des meilleurs
l'un des meilleurs podcasts sur le cinéma, si ce n'est le meilleur. Et Thibaut, justement, qui me rappelle Les Sept Familles. Ouais, il y a une nouvelle émission. Merci Thibaut pour la promo. On lance une nouvelle émission aujourd'hui. Aujourd'hui, donc à 17h. En fait, avec Benjamin Durand, justement, on a imaginé un nouveau podcast qui s'appelle Les Sept Familles. Le principe, c'est une émission, un artiste ou un groupe, et on fait ces sept familles musicales. Et ça commence aujourd'hui, mais les sept épisodes sont tous dispo sur le Tipeee de Tsugi Radio, moyennant 4€. Vous pouvez tout avoir d'un coup si vous le souhaitez. Ok, super. Donc c'est les sept familles. Complètement... Ouais, les sept familles aujourd'hui à 17h sur Tsugi Radio. Merci Thibaut. Tu fais trop de trucs, Nico. D'ailleurs, j'ai envie de reparler d'une... Bon, je t'avais dit au début, ça fait rire, ça t'avait fait rire, c'est bon, j'articule plus. Pour moi, la journée type d'un Nico Pratt, c'était ce que j'avais assisté à Nantes. Pour moi, c'était ça, une journée type de finalement, Nico. T'avais un peu raison. Bah ouais, non, mais c'est fou. Mais je te jure, cette soirée m'avait beaucoup marqué. Mais bah, j'ai l'impression, ouais. Énormément. T'en souviens mieux, quoi. Ouais, mais parce que, tu sais, à l'époque, j'étais un jeune passionné de radio qui était encore bénévole et qui était encore au lycée et qui voulait vivre de ça. Et pour moi, c'était pas possible, ou c'était compliqué. Et du coup, je voyais l'envers du décor et c'était hyper intéressant. Il y a un truc, et j'en profite, alors ça fait déjà 2 heures qu'on discute, donc les gens en auront peut-être marre, mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que... L'une des beautés de ce métier, c'est de pouvoir se planter, c'est de pouvoir se tromper, mais c'est surtout de pouvoir essayer. Et en fait, c'est beaucoup de boulot. Vraiment, les journées sont parfois dures. Mais là, par exemple, avec Thibaut, avec Benjamin, donc on a sorti un bouquin, on a un podcast qui arrive avec Thibaut. Ah, il y a Flonflon. Bon. Je te coupe 2 secondes juste pour saluer Flonflon qui vient de nous lancer un raid. Un raid, c'est-à-dire qu'il envoie à la fin de son live. Son public dans un autre live, et du coup, c'est ça qu'on va voir plein de Nikos arriver. Allez, ça super. Le boulot. Bah oui, alors là, je vois les chiffres qui montent, là, 206. Ouais. Et en fait, voilà, et du coup, avec Thibaut, on est en train de travailler sur le lancement d'une revue, d'un nouveau magazine pour début 2022. Et en fait, c'est ça la beauté de ce métier. Et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est que on peut. Tout est possible, quoi. Et j'aime bien et je revendique le fait d'être curieux et de me tromper parfois. Donc voilà, soyez curieux et vous dites jamais que c'est du boulot, mais c'est possible, quoi. Voilà. Enfin, dites-vous que c'est du boulot, mais que c'est possible. Voilà. Du coup, pour revenir à la soirée, qui m'a marqué, il y avait Benjamin, c'est là où j'ai rencontré Benjamin. C'était une très belle soirée. Du coup, oui, j'ai pu voir Nico au boulot enchaîner incroyablement et merveilleusement bien. Le Move, donc c'était une soirée Le Move avec ton documentaire. Ouais. Et c'était fou de voir comment tu gérais tout ça et voir l'envers du décor, c'était hyper intéressant. Et j'en parlais il y a 15 jours, figure-toi. Et ça, tu t'en souviens pas, mais figure-toi qu'on s'était posé au chien stupide. Il y avait Benjamin et je t'ai fait installer Snapchat et je t'ai appris à utiliser Snapchat. La première fois que tu utilisais Snapchat, c'était avec moi. C'est vrai. Et tu avais fait ta première story. Alors, je suis désolé de te dire que j'ai pas vraiment continué. Ah bon? C'est pas Snapchat. Oui, je sais. Ah, j'en ai un, mais il se passe rien, quoi. Mais voilà, en tout cas, je t'avais fait installer ça. J'avais fait installer à quelqu'un d'autre, Tristan. Je me souviens, c'est pas Tristan, Snapchat. Enfin bref, c'était voilà. Mais je me souviens très bien de cette soirée. Ça m'avait beaucoup marqué. Et ça fait partie de ces soirées qui m'a motivé à vivre. Bon, bah, écoute, à vouloir vivre de la radio. C'est pour ça que ça m'avait beaucoup marqué. Bah écoute, je suis ravi d'avoir pu modestement initier ça. J'ai oublié de parler d'un autre truc qui m'avait marqué, c'est plus récent, mais on va parler de jeux vidéo et de Canard PC après, parce que le temps passe, tu vois, le temps passe hyper vite, il est déjà 10h20, je viens de voir l'heure. Ouf, hein. On va parler de podcast aussi, parce que tu as fait plusieurs podcasts. Ouais. On va parler de Canard PC, j'aurais parlé de Ready Cosplayer One que tu as fait avec MCM, et tout ce que j'ai fait avec MCM, parce que moi je me souviens, je crois que c'était en 2012-2013, j'avais une émission de radio avec, que je présentais avec Marine Fromont et Julien Geffroy. Et on avait parlé, je crois qu'ils avaient fait une chronique sur le burger du mois. C'était une émission que tu présentais avec Joe Hume. Exactement. Ça a duré combien de temps, Le burger du mois a duré qu'une seule année. C'était une émission mensuelle. Et ensuite, on est passé en quotidien, mais dans un format plus court. Ça s'appelait tout simplement Joe et Nico. Et Joe, et ça, je l'ai fait pendant encore 2 ans ou 3 ans.
des choses comme ça. Et parallèlement à ça, on faisait des documentaires, donc on en a fait 3 pour MCM, dont Ready Cosplayer One, réalisé par Max Brigerie. Mmh. Et Joe a continué par la suite Pop Life. Mmh. Ouais. Ok. Seul. Donc MCM, t'es plus à MCM maintenant. Enfin, tu fais plus de. Ok. Non. Mais du coup, ouais, t'as fait quand même du coup Ready Cosplayer One. Du coup, c'était ton dernier projet pour MCM. C'est ça. Ouais, absolument, absolument. Qu'on allait tourner à Chicago. Ouais, c'est ça. Vous allez tourner. Donc avec Joe, ça parle de quoi Ready Cosplayer One? Alors spoiler, il y a un indice dans le titre. Ouais. Ça parle en fait. Ça parle de cosplay, mais surtout, on voulait faire un documentaire. Intelligent sur le cosplay, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on voulait raconter en fait en quoi ça change les gens. C'est-à-dire c'est pas uniquement une question de déguisement. On a évidemment raconté la compétition, on raconte la fabrication, mais en fait plus que, on voulait surtout s'intéresser à ce que ça changeait humainement chez les gens. On voulait parler de ces personnes qui finalement se sentent plus forts ou plus fortes quand ils ou elles mettent un costume. On voulait raconter ce que ça changeait, ce que ça bouleversait dans leur vie. On voulait partager mélanger le spectaculaire et l'intime. Et voilà, ça a donné Ready Cosplayer One. Et je crois que c'est dispo sur YouTube. Moi, j'ai demandé si on peut le retrouver gratuitement. Je crois. Pas sûr. Okay. Je suis pas sûr. Et tu l'avais présenté en avant-première au... J'ai encore oublié le nom, mais c'est fou. Alors Comic Con. Au Comic Con. Mais oui, mais pourquoi je trouve pas. Ouais, c'est voilà. La Comic Con d'ailleurs. La Comic Con, tu l'avais présenté en 2019, je crois, c'était ça. C'est possible. On va parler de podcast. Ouais, c'est ça, on va parler de podcast rapidement. Je me souviens que tu avais présenté No Fun, c'était chez Binge Audio. Oh, oui, avec Adrien Toufollet, c'est ça? Alors, No Fun, No Fun, j'ai fait 4 épisodes, les 4 premiers, chez Binge Audio, en effet, et j'ai arrêté parce que j'arrivais sur Canal+. Okay. Donc l'émission Le Tube dont je te parlais, et je pouvais pas tout faire. MCM le diffuse encore régulièrement, ah bah cool, super. Okay. Et comme le dit très bien Flonflon Musique en commentaire, à la base, ça parlait plutôt de registre pop-rock, je me souviens même plus des 4 sujets qu'on a fait, mais en gros, ensuite, moi j'ai dû arrêter, et c'est Mehdi Maizi, le talentueux Mehdi Maizi, qui a récupéré le podcast, et qui en a fait le No Fun en fait connu, c'est-à-dire que avec toute sa bande, le podcast a vraiment décollé. Ils parlaient de rap, ils en parlaient extrêmement bien, voilà. Et c'est mignon parce que Mehdi, quand on lui en parle, il rappelle que très gentiment qu'il n'est pas à l'initiative du truc, mais c'est vrai, voilà, le projet lui appartient au final. Moi, j'ai surtout trouvé le titre, qui est une chanson des Stooges, donc qui colle pas du tout avec l'univers de No Fun. Mais voilà, c'est en effet, j'ai fait les 4 premiers. Ok. Avec Adrien Toufollet, que j'embrasse, que j'adore. Mais oui, on le sait, Adrien. En restant sur les podcasts, il y a un podcast qui est sorti il y a un an et ça m'avait marqué et je voulais voir la suite. Il n'y a jamais eu de suite. J'ai plus le titre et j'ai essayé de le retrouver, je le trouvais plus. C'est pas la fin du monde. C'est ça. Alors. C'est pas la fin du monde, c'est un projet qui avait été imaginé par Jean-Baptiste Rochelet, qui a une boîte de podcast qui s'appelle 1212, et l'idée, en fait, était de parler de façon scientifique et précise des risques qui menacent la fin de l'humanité, et en gros dire qu'est-ce qu'on peut faire. En gros, c'est un guide de survie. S'il y a une explosion nucléaire au cœur de Paris, comment tu survis? Voilà. S'il y a un tsunami, s'il y a un volcan et tout. Et en fait, on a fait 3 épisodes? 2 épisodes, quelque chose deux, comme ça? Je pense que c'est 2. Ouais, en fait, il y en a 2 en ligne et je crois qu'on en a un 3e qu'on n'a jamais publié. Ah. Et en fait, c'était super cool à faire. Mais Thibaut pourra confirmer, il connaît le JB. Le Jean-Baptiste est hyper actif et est parti sur tout un tas d'autres projets. Moi, j'avais d'autres projets à côté. Finalement, c'est une bonne idée qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout. Et c'est pas bien grave. On s'est au moins marré. Encore une fois, j'ai travaillé avec un de mes meilleurs potes, JB. C'est un des témoins à mon mariage. Donc c'est sans regret aucun. J'ai beaucoup appris et c'était très cool à faire. Et il me semble, alors dis-moi si je me trompe, redis, c'était quoi le sujet du premier épisode? C'était le nucléaire, je crois. Ok. Je crois. Parce que je me souviens, le podcast, il s'était sorti, genre, mais il me semble, quelques jours après le confinement ou un truc comme ça. Alors, c'est arrivé. On avait enregistré un épisode sur une pandémie.
Vraiment, alors que ça, je me souviens qu'on discutait, qu'on se disait, on a l'épisode sur la pandémie, il commençait à se passer un truc en Chine, genre c'était uniquement en Chine, et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on le sortirait pas vite pour en profiter. Et en fait, quand l'épisode est sorti, c'était un peu tard parce que, disons que se laver les mains et porter un masque, tout le monde avait déjà compris depuis longtemps que c'est ce qu'il fallait faire. Donc personne n'avait besoin d'un podcast pour leur expliquer comment il fallait se laver les mains. Donc en fait, on l'avait depuis longtemps et on l'a sorti beaucoup trop tard. Mais on peut quand même retrouver les podcasts sur Spotify, Deezer, Apple, ouais. Toujours. Ok. Ouais. Ouais, je me pose la question parce que ça m'avait plu comme podcast. Non, mais je crois que voilà, je crois qu'on a fait la pandémie et la menace nucléaire. Je suis même pas sûr. Ok. Y a d'autres projets de podcast que tu as sous le coude ou pas? Non, il y a les 7 familles donc qui commencent aujourd'hui à 17h sur Tsugi Radio. Ouais. Non, il y a pas. Enfin, il y en a toujours en fait. Il y a rien de concret, c'est-à-dire qu'il y a rien de signé et tout. Mais voilà, avec un bon pote qui s'appelle Mathias Desour, on est en train de travailler sur des idées de podcast. On a également un projet de documentaire assez ambitieux qu'on essaye de vendre. Des projets, il y en a toujours. Après, concrètement, non, j'ai. À part, bah voilà, il y a ce projet de revue sur laquelle on travaille avec entre autres Thibaut pour début 2022. Mais sinon, non, pas de projet de podcast supplémentaire. Ok. On va pas de Canard PC parce que tu es sur un. Ah, et coucou Denis de Canard PC qui nous dit coucou les petits loulous. Ouais, podcast ou émission, c'est une émission qui est diffusée tous les vendredis à 17h. Et également par la suite disponible en podcast. Et qui sera de retour à la rentrée. Ouais, exactement. Canard PC, tu es sur un podcast de Canard PC. Tu m'as dit hors antenne que tu étais un lecteur de Canard PC. Ouais, j'adore, j'ai pas de PC et j'adore lire Canard PC. Parfois je me gourre, j'achète hardware et je comprends que dalle. Mais non, Canard PC, c'est. Alors, j'aime beaucoup vraiment, et alors je dis pas ça du tout parce que. Je suis dans la matinale de Canard PC, je suis le premier surpris à être dans la matinale de Canard PC. Non, en fait, il y a une liberté de ton qui est géniale, c'est-à-dire que même si je comprends pas de quoi ça parle toujours, les titres me font hurler de rire, les personnages que se sont créés les journalistes, finalement, mois après mois, je les suis et j'apprends à les connaître, c'est très très rigolo, et surtout, c'est une très belle aventure éditoriale. C'est-à-dire que qu'un magazine qui s'appelle Canard PC, rappelons-le, hein, parce que ça paraît, enfin voilà, on le dit naturellement, mais le nom c'est quand même Canard PC, qui puisse exister depuis aussi longtemps avec autant de succès, bénéficier d'autant de suivi de la part des lecteurs, vraiment c'est une très très belle aventure éditoriale. Donc je sais pas qui là est encore dans le chat de l'équipe, mais voilà, à travers toi, je tiens vraiment à féliciter tout le monde parce que c'est une belle aventure, on va dire. Je transmettrai cet extrait vidéo s'ils ne sont pas dans le chat. Et oui, c'est gentil d'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu avais encore partagé par exemple un extrait d'un article d'ailleurs de Julie Lebon, enfin ouais. Hélène Ripley. Ouais. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup de lire Canard PC. Et ouais, hardware, alors, sans faire exprès. en fait, je fais partie je bouffe la presse, hein, c'est-à-dire que je claque pas loin d'une... Dire, le l'ordi de... Mince, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous me voyez? Je te vois, mais c'est écrit tentative de reconnexion, mais je t'entends. Est-ce que vous nous entendez du coup? Ouais, dites-moi dans le chat si vous nous entendez. Yes, tu es là, tu es là. Ok. On vous reçoit, très bien, super. Bon, ça devait arriver. Ouais. Mais moi, je vois pas le chat du coup. Ah, moi, je vois le chat. Moi, je vois F5, yes, on vous entend, on entend Nico et on voit le reste. Au moment où Nico allait balancer l'argent qu'il mettait dans la presse. Oui, c'est ça. On va dire entre 60 et 100 euros par mois. Ah, c'est bon, t'es revenu. Voilà. Et du coup, ouais, parfois j'achète hardware en sachant très bien que je vais rien piger, mais voilà. Moi, j'ai toujours cette vidéo, n'est pas disponible, erreur 5000, je fais un refresh. C'est bon, c'est revenu, on te voit. Ouais, mais moi, je ne vous vois pas du coup. Ah oui, fais F5. Je fais F5. Ouais.
Je rafraîchis la page, quoi. Ouais. Ok, c'est reparti. Attention, est-ce que je vous revois? Vous me voyez là, vous? De toute façon, c'est bon? Ouais, on te voit. Ok, t'es très bien. Mais... donc voilà. Donc voilà, Canard PC Hardware. C'est pas ma lecture préférée, mais. Mais on salue l'équipe de Canard PC Hardware. Oui, bien mais sûr. Non, non, mais je préfère parce que je comprends que dalle. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça a coupé au moment où tu parlais de Canard PC. Je suis sûr que c'est des concurrents qui ont voulu couper ma connexion pour pas comparer Canard PC. C'est JV le Mag. C'est ça. C'est JV le Mag qui a coupé ma connexion. Non, mais j'ai des problèmes de connexion depuis que j'ai déménagé. Parce qu'ils ont mal installé mon câble de fibre. Mais non, je suis à Paris. Mais en fait, ils ont mal coupé. Ils ont mal mis mon câble. De fibre et du coup j'ai des micro-coupures et c'est assez embêtant quand je fais des lives sur Twitch. Mais en tout cas merci beaucoup de ces gentils mots sur Canard PC. Bah non c'est sincère. On arrive bientôt à sa fin, j'ai envie de parler de jeux vidéo quand même parce qu'on est quand même c'est vrai qu'on a parlé de tout sauf de jeux vidéo. Bah oui. Bon, on a beaucoup trop parlé de moi et pas assez de jeux vidéo, je suis tout à fait d'accord. Mais je suis content de parler de toi, mais je suis trop content parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissaient pas et je voulais qu'on apprenne des choses sur toi. Gentil. C'est très gentil. Tu joues aux jeux vidéo, Nico? Je joue aux jeux vidéo, absolument, je joue aux jeux vidéo, je joue beaucoup aux jeux vidéo. J'ai une PS4, j'ai les deux dernières Xbox, j'ai la N64, la Dreamcast, j'ai toutes les consoles, la Forma Mini, j'ai ma Game Boy, ma première Game Boy, Switch évidemment. Non, j'ai un bureau chez moi qui est plein à craquer. Thibaut pourra le confirmer. De on peut avoir l'avis de Nico sur la GTX. Tu peux pas. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Il y a quoi comme différence d'ailleurs, Nico, entre la GTX 3000, je sais même pas comment on dit la 3080 Ti versus la 3080. Moi non plus, je m'y connais pas. Je pense que c'est principalement dans les rendus. Ouais. Bah, la 3090, franchement, elle est mieux quand même. Franchement, il y a de meilleurs résultats. Ouais, mon cœur balance, mais je suis d'accord avec toi, la 3090, on n'est pas vraiment sur une nouvelle génération, mais il y a un vrai progrès. On voit quand même une petite différence. Ouais. Thibaut, pour la confirmer, j'ai un bureau chez moi plein à craquer de BD, de comics, de figurines, de magazines, je parlais d'Adoré après, j'ai tous les numéros de Society depuis sa parution. Pourquoi je garde ça, j'en sais rien. et donc j'ai beaucoup de consoles et beaucoup de jeux, ouais. Voilà. Tu joues à quoi en ce moment? Resident Evil Village. Village, j'aime beaucoup. Voilà, je joue principalement à ça. À quoi j'ai joué juste avant? Final Fantasy. Là, le remake du 7, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je me suis refait, pas jusqu'au bout, Far Cry 5. J'aime beaucoup la série des Far Cry. C'est marrant, j'ai commencé hier le 5. Voilà, j'ai totalement conscience des faiblesses de la série et qui sont en gros des faiblesses à la Ubisoft. Mais j'aime beaucoup, voilà, Far Cry 4 et Far Cry Primal sont vraiment deux jeux que j'adore. Et du coup, quel jeu t'a marqué Jean-Vincent Placé. Quel jeu m'a marqué? Moi, je suis très clairement un enfant de Nintendo. Et donc, vraiment, j'ai quasiment plus joué aux jeux vidéo après la N64. Et donc, j'ai raté la GameCube et la Wii et la Wii U. Et je suis revenu aux jeux vidéo bien des années plus tard. Mais en gros, moi, j'ai vraiment grandi avec NES, Super NES et Nintendo 64. Donc, quels jeux m'ont marqué? Alors, je ne vais pas être très original, mais c'est évidemment tous les Mario. C'est Ocarina of Time. Très clairement Ocarina of Time, c'est GoldenEye. L'un des jeux que j'ai le plus poncé sur la Nintendo 64, c'était Wave Race. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu de Jet Ski. Oui, c'était génial. C'était génial. Alors, ça, sans surprise, ça ne vieillit pas des masses, mais à l'époque, les vagues, ça nous rendait ouf. On hallucinait du rendu des vagues, quoi. Donc voilà. Et pour répondre à Thibaut Smithy, quel est le jeu auquel tu as joué le plus longtemps? En l'ayant refait, Thibaut, je te pose la question. Je suis pas sûr qu'il y ait un jeu auquel, en une seule fois, j'ai joué plus de 100 heures. Je suis pas un complétiste fasciné par le 100%.
Pas du tout. Et j'assume complètement en plus de picorer de temps en temps, c'est-à-dire d'acheter un jeu, d'y jouer une heure ou deux heures et de plus jamais le retrouver. Ça, j'assume complètement. Le jeu auquel j'ai joué le plus longtemps, Witcher 3, je l'ai fait. Witcher 3, je suis pas allé au bout. Non, Red Dead Redemption, qui est sans aucun problème le 1, qui est sans aucun problème dans mes 5 jeux préférés tous les temps, et qui est un jeu en plus, alors spoiler pour ceux qui n'y ont pas joué, il y a un moment à la fin, John Barton donc, doit ouvrir la porte de la grange, et en fait on sait qu'il est condamné, et il y a le personnage qui se met en mode ralenti, et on sait au moment de sélectionner nos cibles qu'on n'arrivera pas à avoir tout le monde, et donc on va mourir. Ce moment-là, j'ai fondu en larmes, et j'ai terminé le jeu et je l'ai relancé immédiatement après pour essayer de revivre ce moment. Évidemment, c'était pas pareil. Mais voilà, je suis un grand fan de Golf Story sur Switch, qui est un jeu que j'adore, très, 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 un jeu de golf, mais beaucoup plus que ça, très touchant. J'ai adoré un jeu qui s'appelle Minit sur Switch également, qui est assez, assez génial, où tu n'as qu'une seule minute avant de mourir pour avancer dans l'univers. Ouais, non, plein. Plein de trucs, voilà. Enfin, je pourrais en parler des heures, hein, mais... Sur Dreamcast, est-ce que tu joues à Power Stone ou pas? Est-ce que tu connais Power Stone? Ah ouais. Je connais pas Power Stone. C'est le jeu qui m'avait vraiment marqué sur Dreamcast. Ouais, tu parlais de... La Dreamcast est sans aucun doute la console que je connais le moins. Ok. La Wave Race, alors, désolé pour le coup de vieux, mais quand j'y jouais, je me souviens, c'est quand ma nounou me gardait... Bah, donc j'avais 2 ans quand j'y jouais. 2-3 ans. Ouais, ça colle, hein, je vais en avoir 12. Ouais. Ouais. Donc, non, c'était un super jeu. Et donc là, ouais, en ce moment, donc c'est Far Cry 5. Non, en ce moment, c'est Resident Evil Village. Ah oui, pardon, Village. Voilà. Village. J'essaye d'avancer, je suis pas très bon. En fait, je suis un gros joueur, mais je suis pas un bon joueur. C'est-à-dire que j'ai pas je me perds super facilement. Je galère à lire certaines maps, alors pas forcément dans Resident Evil, mais voilà, je suis pas un Golf Story et ses saloperies de taupes. Ah ouais, bah je vois que Jidam, tu sais de quoi tu parles. Les taupes sont des saloperies. J'en ai également des vrais en Bretagne. Alors j'aime beaucoup les vrais, mais dans Golf Story, c'est un enfer. Ok, pas mal de jeux du coup. Tu aimes bien Resident Evil Village parce qu'ils divisent beaucoup ce Resident Evil. Enfin, depuis le 7, ça beaucoup. Oui, j'aime assez. Alors, il paraît que ça part en sucette à la fin. Je suis pas encore arrivé à la fin, donc j'attends de voir. Après, je suis toujours. C'est un truc qui est pas propre à Resident Evil, mais qui font beaucoup dans Resident Evil, c'est-à-dire que ils demandent une suspension de crédulité assez dingue aux joueurs. C'est-à-dire qu'au début de Resident Evil Village, le mec se retrouve en quelques secondes dans un village abandonné, rempli de zombies, où il enjambe des cadavres, et ça lui semble normal. Et en fait, ça semble normal de pour le joueur, oui, le joueur, c'est normal, on sait ce qu'on va trouver. Mais ils ont une façon parfois de nous mettre dans le grand bain en oubliant un chouïa la logique et l'écriture, et ça a le don de me sortir du jeu. C'est-à-dire que si tu croises un cadavre dans la rue et que tu regardes en disant oh ok et que tu continues ton chemin, ça me fait chier, voilà. Ouais. Et c'est ce qui se passe au début de Resident Evil Village. Après, une fois qu'on arrive dans le château, là j'en suis au moment où je suis poursuivi, j'ai que deux reliques sur 4 et je suis poursuivi par par la femme géante là, et j'avoue, je suis pas serein. C'est le meilleur moment en plus du jeu. Ah, c'est assez génial. Il y a Denis qui demande si ça te dirait de participer à la création d'un jeu vidéo. Ouais, je vois pas comment, mais j'y connais franchement pas grand-chose. Mais ouais, j'adore. Alors, pour le coup, en plus, on parlait d'écritures différentes selon la radio, selon la télé et tout. J'adorerais être impliqué dans la phase d'écriture d'un jeu vidéo. Ouais. Ah ouais, ça me passionnerait. Ça me passionnerait. Je serais peut-être très mauvais, mais ça me passionnerait. Mais en plus, c'est Denis qui te demande ça, donc qui travaille à Canard PC et qui avait participé à la création de Mad Trax, qui est un jeu de voiture. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que... Ouais, ça me passionnerait. Je doute que qui que ce soit vienne me chercher pour ça, mais si c'était le cas, j'aimerais beaucoup. Et là, alors il y a même les gens qui jouent à Resident Evil et qui râlent parce que c'est pas Indomnia. Tu voulais peut-être dire Insomnia. Insomnia, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Et alors, j'ai pas joué à Insomnia, donc voilà, désolé. C'est très bien, Insomnia. Du coup, j'ai pas la ref. Mais c'est différent. Et puisqu'on parle d'horreur,
Outlast, le 1, Outlast, je suis allé au bout et je sais pas comment j'ai fait. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, et le 2, par contre, j'ai jamais réussi. J'ai vraiment peur. Est-ce que j'attends Far Cry 6? Ouais, j'attends Far Cry 6. Ouais, je trépine pas d'impatience non plus, mais je serai là pour y jouer. Et là, l'une de mes plus. Tu manges quoi? Ok, encore un bâton. Un autre, à taille humaine. Non, l'une de mes plus grandes peurs, c'était. Alors, c'était dans Alien. Ah putain, comment il s'appelle le jeu? Ah putain, le super Isolation. Jeu Alien, là. Ouais, voilà, Alien Isolation. J'y jouais, alors lui, j'ai joué deux fois, j'ai joué sur la Switch, j'hallucine d'ailleurs comment ça tourne bien sur Switch. J'y avais joué sur ma PlayStation 4 dans mon salon, et il y a une scène vers la fin dans laquelle le personnage principal est dans un nid en fait d'aliens, et où il y a des facehuggers qui courent au sol et sur les murs et tout. Et dans le jeu, il y a un facehugger, une petite créature qui passe entre mes jambes dans le jeu, et dans la vraie vie, je suis dans mon salon, les rideaux tirés en caleçon, il y a une souris qui passe entre mes jambes. J'ai sauté sur le canapé, j'ai poussé le cri le moins viril de l'histoire des cris pas virils, et j'ai dû rester 10 bonnes minutes debout sur le canapé à reprendre mon souffle. Et voilà, ma copine de l'époque n'était pas là, et tant mieux. J'aurais voulu voir cette scène. Ouais. J'aurais bien voulu voir aussi te voir jouer à Outlast. C'est un truc, je suis hyper salé avec ce jeu parce que je le connais par cœur, du coup il me fait plus du tout peur, mais vraiment je connais le jeu par cœur. Mais du coup, dès qu'il y a un pote qui vient à la maison, je lui fais jouer à Outlast. C'est horrible. Et je sais où il y a les screamers et je filme au moment où il y a les screamers. Et du coup, j'ai plein de vidéos de mes potes qui sursautent au moment des screamers. Mais le 2, par contre, j'ai pas du tout aimé. Le 2, vraiment, je l'ai fait, mais bof. Écoute, moi le 2 m'a pas passionné, mais surtout j'avais trop peur, quoi. On arrive bientôt à la fin de cette émission. J'ai envie de parler de film déjà, parce que après 2h30 seulement. Mais j'ai envie de parler de film avant parce que Nico, je te suis sur Insta et sur Twitter, et sur Twitter tu regardes beaucoup de films et tu donnes ton avis sur pas mal de films. C'est un de mes gros défauts, je donne beaucoup mon avis. Et du coup, alors je vais t'avouer, à chaque fois que tu fais une critique d'un film, je fais un screenshot pour que je le regarde plus tard. Du coup, j'ai plein de screenshots de tes tweets sur mon portable. Et que j'essaye de dire, ce n'est pas forcément des découvertes absolues, hein, mais c'est un des trucs que j'aime avec Twitter, c'est en fait, j'essaye de trouver des choses intéressantes à dire. J'essaye d'avoir une lecture du film, pas uniquement c'est cool ou c'est pas cool. Et surtout, je dis à chaque fois où est-ce que c'est dispo, sur quelle plateforme de streaming, histoire que si les gens... tu veux jouer ? Si les gens ont envie de le découvrir, voilà. Et tu t'es fait récemment tous les Transformers, j'ai vu avec Twitter. Ouais, en disant qui était le plus nul, le meilleur et tout. Écoute, ouais, parce que pour deux choses, c'est que déjà, j'aimerais écrire un article qui est en projet sur l'utilisation du corps dans le blockbuster moderne. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, c'est un corps où plus personne ne souffre vraiment, plus personne ne saigne vraiment et tout. Et donc, en termes de blockbuster moderne, les Transformers se posent là. Ensuite, parce que j'ai un projet tout frais de livre sur Michael Bay et que donc, il fallait que je revoie les Transformers pour... peaufiner ça, et ensuite parce que j'ai pas honte de dire que j'aime assez la saga Transformers et j'aime beaucoup Michael Bay, qui est davantage un auteur que le tâcheron qu'on veut bien dire. Et alors Transformers 2, c'est horrible, c'est une vraie purge, mais il y a des idées visuelles dans Transformers 3 qui me passionnent. Ok, j'ai jamais vu les Transformers, mais du coup ça m'a intéressé quand j'ai vu tes tweets. Quand j'ai vu tes tweets sur Transformers. Après, il y a beaucoup de choses à dire, et pas uniquement bien, entre autres sur la façon de filmer les femmes. Bon, voilà, il n'est pas au top. Megan Fox est clairement un petit joujou, quoi. Ah oui, c'est ce que tu disais dans un tweet, oui. Ah ouais, ok. T'as vu récemment aussi, j'ai vu Piège de Cristal, Mission Impossible aussi. Ouais. Que des petits films que personne vraiment. Je peux vous conseiller ces petites découvertes. Non, du coup, Nico est dans la même type que Capture Mag sur Michael Bay, absolument. Et Capture Mag, qui d'ailleurs partage un ADN commun avec Rocky Rama, donc je suis pas toujours d'accord avec Capture Mag, mais là je le suis.
Ouais, et donc, oui, en fait, alors, pour le coup, dernièrement, j'ai revu beaucoup de blockbusters. C'est donc dans le cadre de ce projet d'article. J'essaye de rester curieux et je, voilà, je regarde pas que ça. En ce moment, oui, je regarde ça. Ok. Eh bien, Nico, il est 10h46. Oh la vache. Merci beaucoup hein, pour Merci à toi. C'était un pour ces plus de deux plaisir. heures d'émission. J'espère, largement. J'espère que c'était pas trop long pour les gens. Thibaut qui dit, ça me rappelle un Année-Lumière 1995. Ouais, on avait fait une émission. Alors c'était pas 1995, Thibaut, c'était 1993. Mais on a fait une émission ensemble, un podcast Année-Lumière et c'était très cool. Et c'est dispo dans toutes les bonnes crèmeries. Dispo aussi dans toutes les bonnes crèmeries, ton livre, que tu, ton essai, ça, on dit c'est un essai. Oui, c'est C'est un un effet. essai. Écrit avec Benjamin Durand, Oasis ou la revanche des Ploucs. Regarde, hop, je remets la couverture dispo chez Playlist Society. Je vous conseille d'aller lire ce très beau livre. On en parle en début d'émission. Si vous voulez revoir le début, ça sera en replay dans 24 heures à 9h demain sur YouTube et sur les applis de podcast. D'ailleurs, encore merci pour les personnes qui nous écoutent en podcast et qui s'abonnent. Merci beaucoup pour votre soutien. On te retrouve également sur Tsugi Radio à la rentrée. Et ce Ouais. soir, enfin Ce ce soir, fin oui. d'après-midi à 17h. Tous les mardis à 17h pour cette semaine. Super, bah, merci beaucoup Nico. On peut te retrouver où également? Sur les réseaux sociaux? Ouais, sur les réseaux sociaux, en Bretagne, si vous passez En dans le Bretagne, coin, ouais. du côté de Dinard, n'hésitez pas. Voilà, et non, non, oui, sur Twitter. Je suis trop sur Twitter. Voilà, c'est le meilleur moyen de me joindre. J'ai vu hier 144 000 tweets. Ouais, mais alors depuis 12 ans, donc Depuis, c'est vrai que t'es sur Twitter depuis quasiment le début. ouais, voilà, faut relativiser quand même, je me suis pas inscrit l'année dernière. En tout cas, merci beaucoup Nico. Est-ce que j'ai oublié Merci quelque à toi. chose avant qu'on arrête l'émission? De manger ton pitch, tu m'as dit. Ah, bah, j'ai pas mangé et à un moment, en milieu d'émission, j'ai eu des vertiges de pas manger parce que j'ai pas mangé le matin. Quand je mange pas le matin, j'ai des petits vertiges. Ah ouais? Et j'ai eu un petit vertige, j'essaie de pas le montrer. Mais à un moment, j'ai fait, ah là là, ça c'est parce que j'ai pas mangé mon pitch de ce matin. Ouais, moi je suis moi le matin c'est café et aujourd'hui rien que pour toi. J'aurais de boule. Ouais, c'est ça c'est pas bien même. Non. Mais Mais bon. je dis ça, mais des fois j'en prends aussi, mais c'est pas Bah bon. ouais. Mais Bah ouais. tout le monde dit c'est pas bien, mais il y en a beaucoup qui en prennent. Mais prenez du café. Non, prenez ouais, du café. Tu prends du café des fois? Attends, ah, c'est la question que je pose à chaque fois. Tu bois du café quand même. Ouais, beaucoup. Alors, c'est quel type de café que tu prends? T'as quoi comme type de machine à café? Je suis obligé d'arrêter Alors, l'émission sur ça. ça va être vraiment le passage le plus intéressant de l'émission. On a à Paris une machine à dosette Nespresso qui, je pense, a pas loin de 15 ans. C'est l'une des premières machines. Elle marche encore, mais le bouton d'allume, mais le genre le café s'arrête pas tout seul. Le réservoir est tout petit et le bouton d'allumage, je dois parfois appuyer dessus pendant 15 minutes avant que ça s'allume. Et on essaye de voir jusqu'à quand elle va pas, jusqu'à quand elle va tenir. Donc on a vraiment de la merde. Et ici, on a une vraie machine professionnelle. Qui a coûté une blinde et qui pour et où j'ai même pas fini d'explorer le menu pour faire des cappuccinos des trucs insensés voilà mais non non ce qui est sûr c'est que je bois beaucoup de café ouais. C'est quoi comme Beaucoup machine professionnelle? Ça va intéresser Monsieur Choi, notre directeur artistique alors de Canard attends PC. bouge pas je vais jeter un œil bouge Non, parce que Monsieur Chat, ça intéresse énormément les machines. Moi, j'ai une machine nulle, il faut que j'en achète une. Ah, voilà, hop. Alors, la marque, je suis de retour. La marque, c'est une De'Longhi et le modèle, c'est une Dynamica. Une quoi? De'Longhi Dynamica. Ok. Mais écoute, je préviendrai Monsieur Chat. Y en a chez Darty, ça se trouve facilement. Ok. Je note pour plus tard si jamais. Ok. Voilà. Bah écoute, Nico, c'est sur cette question qu'on va se quitter. Merci La beaucoup. meilleure question. Merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et C'était super. ouais, très bonne journée. Est-ce que Ouais. je peux te dire que tu vas bientôt te marier? Oui, tu l'as dit de toute façon. Ouais, je me Très beau marie le 6 mariage. juillet. Je me marie le 6 juillet. Félicitations. Merci beaucoup. On devait se marier l'été dernier. Évidemment, pour cause de pandémie mortelle internationale, ça a été annulé. Donc voilà, enfin, là, le 6 juillet, on se marie. On se marie en Bretagne. Ça va être cool.
Thibaut qui dit donc live sur Tsugi le 6 juillet. Non, alors je pense qu'on aura autre chose à faire parce qu'en fait, le 6 juillet et le lendemain, le 7 juillet, pour le retour de mariage, il y a des demi-finales de la coupe de l'Euro de foot. Et du coup, est-ce que la France va jouer le 6 juillet le soir de mon mariage? Du coup, il y a peut-être des chances. Il va falloir installer un grand écran. Ouais, non, tu rigoles, mais c'est une vraie question. On ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on laisse les gens suivre sur leur portable ou est-ce qu'on installe un truc? On ne sait pas encore. Eh bien, bon mariage, en tout cas. Merci vous deux. Encore félicitations. Rendez-vous ce soir sur Tsugi Radio. C'est à 17h. Rappelle-moi le nom. C'est les 7... Les 7 familles. Les 7 familles. Et à la rentrée. Également. Très bonne journée. Je ne sais jamais dire comment dire au revoir. Je n'aime pas les au revoir. C'est toujours compliqué. Ça me brise le cœur. Mais au revoir. Du coup, je vais te laisser raccrocher, Nico, et comme ça, je vais en profiter pour dire au revoir au chat. Très bien. Je m'en vais, c'est ça? Tu me laisses m'en aller? Ouais, c'est ça, parce que je fais un petit raid. Je vais faire un petit raid. Je vais envoyer. D'accord. Les gens. Bon, merci beaucoup. Bisous des à tous. Bisous. À tous. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis trop c'était content top. De t'avoir reçu. C'était top. Je file. À plus. Des bisous. Ciao. Salut. Et merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura un replay la semaine prochaine. Voilà, là c'est la fatigue, c'est la fatigue. Ça c'est les 3 heures de sommeil qui arrivent demain à 9h. Ça sera sur YouTube à 9h et en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, un peu partout, sur Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous nous écoutez en podcast, c'est comme ça qu'on monte dans le classement des podcasts les plus écoutés, on était dans le top 100, donc merci beaucoup, merci à tous, merci Yukai Media, merci Denis que vous allez pouvoir retrouver à 14h, tiens je t'ai devancé, j'ai vu ton message Denis, vous allez pouvoir retrouver Denis à 14h pour son 17e épisode sur Prey. Déjà le 17e, mince vous voyez mes onglets quand je fais ça, alors quand on va faire, ah oui comme ça, tac. Je vais ouvrir le Google, mais vous voyez tout. On voit Gaël est partout. Gaël me quitte jamais. Vous allez pouvoir retrouver quoi? Ah, mais oui, hyper important. J'allais oublier. Vous allez pouvoir retrouver plein. On va couvrir l'E3 cette semaine. Il y aura on va couvrir plein d'événements. Du coup, je vais vous dire ce qu'on va couvrir. Patientez quelques secondes, s'il vous plaît. Sachant que c'est pas définitif, on va peut-être couvrir d'autres événements. On va couvrir l'E3 à partir de... Alors, il y aura un événement samedi. Ça, c'est confirmé. La conférence Ubisoft avec Noël Malware et Akbou. Ça sera samedi à 21h. Il enchaînera peut-être, s'il n'est pas fatigué, avec la conférence Devolver. Devolver qui sera à 22h30 samedi. Alors, j'ouvre mon Google Sheets, hein, parce qu'on a tout mis. Désolé, je fais ça un peu à l'arrache. On va essayer de couvrir, Cannes va essayer de couvrir le 9 juin, donc demain. C'est pas à l'occasion de l'E3, mais il y a le Battlefield Reveal. C'est seulement s'il a le temps, ça sera à 16h. À 16h, le Battlefield Reveal, demain, où ils vont annoncer le nouveau Battlefield, évidemment. Il y aura donc le Ubisoft Forward le 12 juin. Le PC Gaming Show et le futur Games Show, ça sera le 13 juin. Ça sera présenté par Akbou et Canlust. Il y aura également la conf Square Enix, ça sera le 13 juin à 21h15, présenté par Noël Malware. Il y aura également le Xbox et Bethesda Game Showcase le 13 juin, présenté par Noël Malware. Et le Nintendo Direct le 15 juin, présenté par Noël Malware et Hélène Ripley. Voilà. Ça, c'est pour la couverture donc, de l'E3 et de tous les trucs qu'il y a avant l'E3, l'Indie Live Expo et tout. Je suis un peu perdu avec l'E3, il y a beaucoup d'événements. Concernant les streams de la semaine, il y en a beaucoup, comme Denis le disait. Vous allez pouvoir le retrouver à 14h pour son 17e Let's Play de Prey. Il y aura également... alors, attendez... Bah d'ailleurs, Denis qui n'a pas mis son let's play sur le Google Agenda. C'est pas bien. Il faut mettre les let's play parce que du coup, moi, je peux pas annoncer les streams. Il y aura également le Canard PC Football Club face au PSG avec Coach Ivan. Ce sera demain à 17h, juste après le Battlefield Reveal. Et évidemment, jeudi,
il y aura l'émission de Canard PC présentée par Agbou, il me semble, ce jeudi. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que j'étais assez corporate. Je vous fais tous des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. On se retrouve la semaine prochaine avec Valentin Vincent. Je suis trop content de le recevoir, ex-Golden Moustache, qui présente Askip avec Jules Fou. Je vais également recevoir dans 15 jours Babor l'éléphant, qui est un YouTuber, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une enquête récemment qui était hyper intéressante. Je l'ai vu follow la chaîne Canard PC il y a une semaine, et je lui ai dit « Hey, j'ai vu que tu avais follow la chaîne de Canard PC, est-ce que tu veux participer à l'émission ?» Elle a dit « Ah bah carrément !» Du coup, on va faire ça dans 15 jours, je suis trop content. Très bonne journée à tous, des bisous. C'est dans le planning apparemment, bah je l'ai pas vu, désolé. Je le vois pas dans mon planning. Je vous fais des bisous, on va faire un petit raid, donc ne quittez pas. Je sais pas encore chez qui, mais voilà, restez dans le coin. Et rendez-vous à 14h pour le live avec Denis. Des bisous, jiggle de fin, ou trop.